aussi, enfin j'y suis. Dans la famille, c'est comme ça. Que tu veux ou non. Ouais, vas-y. Ah, c'était une fake bombe et une vraie bombe. Et tu sais laquelle est la vraie? C'est toi, Elena. Oh. Chilo, dis-toi, possible d'avoir un petit citrep sur tous les côtés? J'ai rien compris. Mais moi, c'est un plan cul, après, je m'en fous. Moi, j'ai juste qu'elle m'envoie des messages. Ouais, tu m'excites et tout, frère. Petite question. Attends, c'est pas ma soeur, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça va ou quoi, les gars? Recadre-le. Hey, hey, oh. Comment je le recadre? Tu le recadres. Il a besoin d'être recadré. Mais pourquoi? Il me faut parce le... Parce que... Recadre-le, merde. Recadre-toi un peu. C'est ça que tu veux pour tes enfants plus tard? Hein? D'accord, je... Tu veux que ça devienne des prostituées? C'est ça? C'est ça que tu veux? Faut ce qu'elles veulent. Tu veux que tes enfants... Non, ils font pas ce qu'ils veulent. C'est pas normal. Tu veux qu'ils restent devant les consoles de jeux comme des geeks? Hein? C'est qui? Oui, j'ai été immature, je vais me recadrer. J'ai voilà, recadre-toi bien, parce que la prochaine fois, je te recadre ta race, t'as compris? D'accord. Voilà. Je me recadre. Eh bien, jeune homme. Ah bah? Oh putain, radio, c'est terrible. Oui, ça va, et toi? Mais tu es qui? Je t'ai pas rencontré. Je suis qui? Moi, je suis un agent, hein, normal. Hein. Vous allez John bien, enchanté. John, enchanté. John, bonjour, John. Tu vas bien, John? Bonjour. Ouais. Bonjour, monsieur dont je ne connais pas le prénom. Bonjour, ça va, capitaine? Vous allez bien? Ça va, et toi, Glenn, tu vas bien? Oui, ça va. J'ai pas entendu Elion, sa gueule radio. Glenn est trop mignon. Tu me prates, tu me passes les lunettes, t'as une punie de lunettes. Oui, j'ai capturé un déterminé. Eh, le con, viens voir, viens voir Glenn, viens. Eh, Glenn, je suis sur un dossier. Allez, c'est qui? Zoé. C'est quoi, c'est la meuf que tu parlais hier devant la mairie là? Mais attends, mais elle m'envoie des messages de fou, regarde les messages. Ouais. Attends, je peux vraiment regarder ton téléphone, attends, regarde. Ah ouais? Oui, je peux vraiment le regarder. Là, tu vois là? Oui, je vois ce que tu vois mon code là. Regarde, tu dis rien. Là, il est 22h24. Ah putain, attends. Putain, attends. Juste, je vais te dire le message, hein. T'es prêt ou pas? Attends. Attends, là, tu vas réussir à lire dans mon message? Non, arrête les conneries. Là, il y a marqué, écoute-moi, mon petit scout. Wesh, la dinguerie. Scotty, ne fais pas n'importe quoi, et puis après, ça part trop vite. Non, ne fais pas n'importe quoi avec ma sœur. Oui, t'as vu? Et regarde, mais regarde sur moi directement. Regarde, là, quand je suis comme ça. Vas-y, mais regarde sur moi. C'est une dinguerie, ça? Regarde sur moi directement. Comment on fait? Non, Chemis, tu le savais pas? Oh, t'es la sérieux? Dinguerie. Ah ouais, vas-y. Tu demandes regarde, de regarder regarde le téléphone. Mon truc, mais normalement, ouais, on peut. Mais je vois rien, là. Mais c'est que quand c'est on normal, est regarde, on attends un peu. Attends mais un non, peu. N'importe qui peut le faire. On peut faire. Mais viens, ça 44, fait... reste pas ça tout seul. Ça fait quoi? Ça fait un mois que ça. Mais non, mais on voit rien. Si, regarde. Putain, attends, viens avec moi, Scott. Regarde. On décale. Vas-y. Là, regarde. Là, j'ai mon téléphone, là, dans les mains. Vas-y. Là. Et là, regarde bien sur moi. Et tu regardes mon téléphone. C'est ça de dispatch. Mais tout à l'heure, ah ouais, là. Ah, j'ai fait là. Regarde. Ouais. Regarde. Hop, regarde là. Ah, mais je vois l'endroit où t'as pris le truc, c'est ça? Où je t'ai demandé, c'est ça? Non, mais là tu vois mes messages là, regarde. Ouais, mais je vois qu'un message, c'est le moment où je t'ai demandé, c'est ça? Bonjour à tous les forces Minos, t'es le meilleur. Oui, voilà, je vois pas en direct quand tu bouges et tout. Non. Mais ça va, ça va venir sûrement. Je me présente, je suis l'épicier, merci. Ah, c'est une dinguerie en vrai. T'as vu? Ah, la dinguerie. Et ouais, je suis sur un dossier là. Ah oui? C'est qui ton dossier? Ah non, Glenn. T'inquiète. Pas moi, ça va, les gars? Moi j'ai une femme, hein, t'inquiète pas. Mais elle, mais... c'est un voleur de femme et elle meurt toute. Elle s'appelle Billy. Mais elle est pas là. Billy? C'est un mec, oui. Billy. Non, c'est pas un. Oh! 2024. Stade, ça ne marche pas, hein. Wow. Je peux utiliser mon esprit d'authentification? Ça va, collègue? Je suis sûr que la femme de qui elle parle, c'est Elena. Non. Eh non, c'est pas Elena. Cap oh, un foot d'Elena. C'est la chérie avec qui t'as passé Elena, tout la soirée. Après, Elena, je peux comprendre, elle a des bizarres, voilà. Mais comment tu sais que je passe la soirée avec elle, hein? Mais parce que t'as patrouillé avec elle et tout. Mais comment tu sais que, genre... Bon, par contre, tu verras 44 ici, mais on parle beaucoup entre nous, hein. Ah ouais, vous êtes dangereux, ça je surveille et tout, la dinguerie. Ça va, 44? Là, voilà, les bizarres, ils sont gaillards, quoi. Oui, ça va. Et vous? Tu me dis un truc, 44? Non, je t'ai vu hier. Bonsoir les collègues, bonsoir. Non, c'est pas toi. Bonsoir, dans le sud. Non, oui, putain, mais oui, ça casse les couilles. C'est possible. Aliouna, c'est pas toi, Aliouna? Aliouna, c'est moi. 06. Oh, c'est toi avec qui j'ai patrouillé hier? Oui, ça c'est va, moi. Ça va quoi, 06? Ça va, il te va. T'es dans le nord, toi, 06? Non, c'est ce soir, on fait patrouille découverte. Monsieur le coq, je jure. Oh, ça va quoi, 42 bis, tu vas bien? Alors, monsieur le coq, avant que je te matraque ta gueule de merde, d'accord, pour commencer, d'accord, on va commencer par là. Ok, désolé, chef, oui. Ici, dans le nord, on est peut-être pas comme dans le sud, tu vois, dans le nord, ils marchent dessus, ils pissent à la gueule.
Ici, on chante les HP dans le Nord, tu vois. Comprends. Surtout quand je suis au gradé. Tu comprends rien. Si, tu comprends. Tu comprends. Il va falloir, en tout cas. Mais du coup, je vais te réexpliquer une fois si t'as pas compris. Je vais articuler. Ouais, là, je comprends. Dans le Nord, on se monte les HP, surtout au gradé. Sinon, ça peut partir très loin. Parce qu'on est une belle famille. Équipe, on est une famille, bien sûr. On est ouais, une famille. Mais une famille, c'est un peu naturel. C'est comme mon frère, c'est comme mon frère 42. Ok. Quoi? Là, j'ai envie de t'arracher la gueule. Désolé. Du coup, je te répète et essaie de comprendre ce que je veux dire. Ok. On va faire un cheminement cheminal, d'accord? Ok. Alors, quand on est dans le Nord, on se dit tous les HP entre nous, d'accord? Regardez le manque de respect. Surtout! Il va m'enculer. Quand je suis au gradé, ça paraît logique. Oui, bien sûr. D'accord. Là, je te vois. Tu dis à chaque collègue, tu dis à la carte de biche, j'aurais te cacher la gueule, en fait, parce que là, il faut que tu saches que t'es dans le poste de Glenn, t'es aussi dans mon poste. Et moi, je suis sur mon téléphone, il remarque même tout pas. Comme je suis dans ton poste, en vrai. Un peu moins que moi, quand même. Oui, bah oui, c'est votre poste, bien évidemment. Voilà. Mais c'est des choses qui se montrent, tu vois, parce que si ça se montre pas, il y en a qui prennent trop leur geste, et ça, nous, ça nous plaît pas, quoi, tu vois. Désolé, chef. Tu lui apprends les choses, là, les petites. Mes respects. Voilà. Mes respects, mon capitaine. Non, adjoint. Adjoint, capitaine. Adjoint. Voilà. C'est un petit geste que moi-même je fais. Oui, pas rookie, parce que les rookies c'est des connards. Mais moi je fais à mes collègues qui sont officiers. Ouais, c'est normal. Vous avez raison. Oui, c'est vrai. Et encore, moi, Christophe, je t'explique. J'espère que tu tomberas jamais sur mon neveu, d'accord? Et tu le fais pas parce que toi t'es mort. Hein. C'est qui ton neveu? C'est mon pote, ton neveu. C'est mon pote. Oui, voilà, c'était tes premiers choix hier et tout. Voilà. On t'a rien dit tranquillement, tant que tu t'adaptes, c'est normal, tu vois. T'as un petit nouveau quand même, faut bien t'accueillir. T'es quoi d'ailleurs, t'es officier, c'est ça? Ouais, j'ai tapé au gouvernement là. T'as quoi? J'ai tapé au gouvernement. Ah, t'es dans la merde. Moi, je te dis, la deux fois que j'étais un peu au gouvernement, j'étais pour me niquer. Mais au final, c'était mon neveu qui a fait des conneries, pas moi, et j'avais confondu les voix. Eh ouais. Bon, ben, ok. Mais voilà. Ma force, hein. Et pourquoi tu sais pas du tout? Parce que je veux sortir avec Zoé, mais son frère, il est pas d'accord. Joué. Tu viens du gouvernement? Ah oui, carrément, il m'appelle. Attendez, je me mets au parleur. Vas-y. Ouais. Allô? Scotty, ouais. Comment vas-tu? Ouais, ça va. Nickel, t'es où actuellement? Je suis au PDP. Dans le Nord. Je sais pas, j'arrive du Nord. Ah ouais, carrément, tu viens me chercher carrément. Vas-y, bah j'arrive. Ouais. Allez. Oh, merde. Toi, c'était pas dans la merde. Il va te chercher carrément. Mais sa sœur, c'est une. Hein. Ouais, c'est quelqu'un, hein. C'est une américaine ou pas? Je sais pas. J'ai pas demandé. Merde. Et Seamus, il va pas répondre. Voilà, il est où Seamus? Attends, ça tire. Ouais, il y a Shotfire, Montel. Shotfire. Allez à deux là, allez à deux dans le véhicule, les petits gars. Viens. Fava Kiro. Actuellement, je suis en cours de patriotisme. Fava Kiro, je peux toucher le. Fava Kiro, ouais, je suis avec Kiro. Ouais, t'es où? Allo. Vas-y. T'es en cours de patriotisme? Ouais, viens, c'est dans le commissariat, viens. Vas-y, j'arrive. Vas-y. C'est en haut, c'est en bas, c'est où? Eh, t'es où? Je suis à l'accueil. Ah. Viens, on s'est jamais connu, moi c'est 13 Brother. Salut 13, ça va mon pote? Ça va, c'est où le cours? J'ai passé à ma coupe, je suis pas arabe. Hein. T'as raison, hein. Tu sais, ces gens-là ils sont pas normaux, viens, on reparait sur eux là, viens. Ouais. Salut les collègues, alors, bonjour. Alors tout simplement, donc l'Amérique, si je peux me permettre. Bonjour tout le monde. Bonjour. A été découvert par Christophe Colomb en 1783. Non, 1492. Et en fait, directement, Christophe Colomb a vu qu'il y avait des indigènes. Ok, c'est bon. C'est faux. Christophe Colomb a vu qu'il y avait des indigènes. Les indigènes ont été... Vous connaissez la chanson. Et aujourd'hui, l'Amérique, et c'est si belle. Malheureusement, je ne vais pas être content de vous le dire, mais depuis quelques années, l'Amérique commence à s'amouchir. Pourquoi? Qui a une théorie à donner du pourquoi, du comment l'Amérique se rend moche actuellement? On se dit ça, si, continue à participer, garçon. Bah, si personne ne prend la parole, je me permets. Alors, l'Amérique s'amochit depuis l'arrivée de la mixité, en fait. Depuis Non. Okay. Réfléchis. Il faut juste comprendre un truc. La mixité, c'est pas mal, d'accord?
les Afro-Américains, par exemple. C'est un phare, là, en fait. Américains. C'est une réunion de race, là. Afro-Américains, par exemple. C'est vrai. C'est une réunion de race, là, on est d'accord, chat. Le latino qui vient en Amérique, mais qui se déclare pas, là, ça pose problème. S'il je tape dans la télé. D'accord, si, je tape dans la télé, ça. Si le latino ici. Oh, et ben voilà, parce que j'ai dit latino plus trois fois. À chaque fois que je dis latino, il va frapper, donc on va dire lat. On va dire lat, d'accord ? Pour dire latino, parce que sinon il va frapper. À chaque fois que le lat vient par le sud, chez nous, dans nos campagnes, et ne déclare pas qu'il est présent, et qu'il gratte notre travail, et qu'il n'est même pas capable d'aller demander la nationalité américaine, et ben alors ça, ça nous met en rage. Et ça, c'est ce qu'il faut que vous combattez aujourd'hui. En colère, c'est beau ce que j'entends, c'est beau. American boy. C'est vous, monsieur le gouverneur, qui allez nous aider. Je vous jure, fidélité, loyauté. La personne qui parle beaucoup devant, elle est elle-même étrangère, elle habite à la colline. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Quoi? Là, c'est pas possible. Je fais du De quoi? Je les connais, les mecs comme toi. Et comment ça, je les connais, les mecs comme toi? Écoute, c'est soit que t'es pas fait pour ma sœur. Mais bon, actuellement, je suis en galère de sous. Écoute-moi, ta sœur, elle est à moi, ok? On a passé toute la nuit ensemble, ok? Ah, allô, Javel. Suis-moi ce que je dis. Ouais, ouais, allô, Javel. Hola, señores. Hola. Hola, hola. La réunion pour les alcooliques anonymes, c'est tout droit à droite. Non, je viens retirer mon bracelet, pour favor. Ah, allez demander là-bas, à la porte, tout droit, là. Ok, gracias. Vous êtes de quelle origine? Hispanique. Ok, parfait, vous y allez, tout droit. Super, super. Dites, voilà, je suis hispanique, je veux retirer mon bracelet, d'accord? D'accord, gracias, señor. On vous écoute. On va où? Dis-moi en plus, il s'est passé. Voilà, un peu plus long. Tu. Mais c'est une chaudasse, ta sœur, un peu. Je sais, c'est une pute, je sais. Ah ouais, tu sais, je sais quoi? Ouais, bébou, t'es où? J'ai envie de toi et tout. Moi, j'étais là, c'est pas mon délire, moi. Moi, je dis, on vient de se connaître, tu vois. Après, elle me dit, vas-y, continue à m'envoyer des cœurs et tout. On fera. Mon petit jeune, là. Écoute-moi. Ouais, dis-moi. Passe-moi ton téléphone. Non. Passe-moi ton téléphone? Bah, non. Ok, bah, laisse-moi le regarder alors. Oui, si tu veux. Attends, calme-toi. Attends, j'ai pas encore pris mon téléphone. Mais laisse-moi prendre mon téléphone. Je le regarde là. Mais tu l'as pris dans les poches, t'es sérieux? Non, je l'ai pas pris. Pourquoi je l'ai plus? Ah, genre, là tu regardes. Ah, voilà. Là tu vois les messages que j'ai échangés avec elle ou pas? Non. Allez, regarde, je vais te montrer. Franchement, elle est pas mal, hein. Je vais lire ça de très près, t'inquiète pas. Vas-y, t'es prêt là? Attends, ferme la scotte. Monsieur mon bien-aimé, excusez-moi. Mets-le au parleur, s'il te plaît. Anderson, on doit avoir une discussion aujourd'hui. Monsieur Anderson, excusez-moi, mais vous savez, en ce moment, il y a une relation assez... Oui, mais... assez spéciale, vous savez. N'oublions pas les déterminants. C'est vrai, je suis désolé. Ce message, il suffit, bon. Non, les gars. Vous entrevoir avec moi, mais à quel but? Professionnel, personnel? Personnel, vous savez, en ce moment, j'ai du mal à travailler à vos côtés sans être perturbé, vous le savez. Ah, il est gay. À ma présence, en fait. C'est ça, mais vous le savez, Anderson. Mais bon, monsieur Anderson, excusez-moi. Actuellement, je suis en rendez-vous avec mon beau-frère, potentiellement. Donc, je vous contacte Jesse et Jim, ça vous dérange pas. Comment ça, beau-frère de quoi? J'ai pas compris, là. Oui, je sais, ma soeur, c'est marrant. Pute, c'est marrant quand t'es au téléphone, on dirait une antenne, ta canne. C'est trop marrant. On dirait... Je suis ma foi. Oui, mais... Elle compte se marier ce soir, elle arrive. On dirait pas une antenne. Ça va se marier ce soir. Je ne sais pas, monsieur Anderson, honnêtement. Je vous appelle tout. Non, je vais pas. Hey, Captain Oddbird, Astra, Nilsa, 2M, Kulchir, regarde. Écoutez.
Oui, désolé. Oui. Ouais, mais. Regarde le message que je suis en train de regarder là. Attends, vas-y. je vois plus. Attends, demande-moi. Calme-toi, Scott. Calme-toi. Regarde, t'as vu. Mais attends, mais c'est ma soeur, ça, c'est ma soeur. Montre-moi le numéro. Aga, elle envoie. Puis tu me dis Aga, toi. Bon, écoute, Scott, on va arrêter de parler. Ouais. D'accord. Ouais. Ma soeur, je te dis la vérité, je m'en bats les couilles de sa vie. Ah, bah ça va alors, je peux faire ce que je veux avec elle. Non. La culture chez nous, d'ailleurs, chez nous, je ne sais pas où c'est, mais bon, chez nous, ouais. C'est la dot, c'est 5 000 $. Est-ce que tu as 5 000 $ à me payer maintenant? Ah, j'ai 50 $, c'est bon. Moi, je crois pas ta meuf, ta soeur, c'est un Chevrolet aussi. Et dis-moi pourquoi je devrais la laisser pour 50 $. Parce que je suis quelqu'un qui va l'aimer toute sa vie. Qui va partager des moments avec elle. Elle va rester à la maison. Ouais. Qui va regarder loin dans l'avenir. Ah, on m'appelle. Oh, attends, je mets le haut-parleur. Allô? Allô, Scott? Oui? Dis que je suis beau. Dis que je suis avec Glenn, toi, je suis très beau. Tu peux venir au poste? Je suis intéressé par Glenn, le lieutenant, je suis intéressé par Allô lui. Allô? Ouais, ouais, je suis avec un mec, il est grave intéressé par toi. Par moi? Voilà, j'aime bien ça. Ouais, tu vois le frère de Zoé? Avec sa calme, le mec du gouvernement. Ouais, mais je suis pas gay, 95. Ah bah après, c'est lui, il m'a dit de te dire ça, je suis devant lui, là. Ah, d'accord, ok. Bah vas-y, viens au poste, s'il te plaît, tu vas partir en patrouille. Vas-y, j'arrive tout de suite. Personne. Vas-y. Ah, voilà. Bon, tu sais, on va faire quoi? Ouais. Tu vas me passer 50 $ tous les 1 an. Ouais, elle coûte cher, ta sœur, hein. ouais, mon pote. Non, faut que j'en parle à ma banque. Ramène-moi au comico. Non, vraiment, faut que j'en parle à ma banque. Non, mais je comprends, c'est un investissement après. Hein. Non, mais attends, 50 $ par an? Non, elle est là ou pas? Non, elle manque. Hier, elle me faisait des papouilles et tout. Ah, non, mais celle-là, je te le dis, hein, depuis qu'elle est piète, elle se la prend. Moi, elle je te le dis. Manque. C'est une petite chenasse, hein. Moi, je te dis, Scott, fais attention à toi. Ah, là, non, moi, j'y crois pas. Elle m'a dit, elle a jamais connu de mec avant. Ah, moi je peux te le dire, hein. Curtis Rodel, un afro-américain en plus, je le détestais. Ah, sache-le, je le détestais, il lui a mis. Vas-y, ça marche. Vas-y. Du coup, je t'appelle comment? Moi c'est. Appelle-moi. Ouais, mais par rapport à ta sœur là, tu vois ta sœur. Ouais, du coup, toi t'es quoi pour moi? Bah, logiquement, je suis ton beau-frère gay. Ok, vas-y, my BFG. Mais on part dans la même... Ah, t'es my BFG, BFG. Ok, fais-moi, viens. My boyfriend gay. Ouais. Écoute-moi. Ouais. Là, aussi, il y a une tradition. Ouais. Dans la famille, c'est comme ça, que tu le veuilles ou non. Je t'attrape fort, là. Ouais, vas-y. Ah, fils de pute. Oh, voilà, Scott, maintenant on est liés pour la vie. Ah ouais, tu galoches comme ta sœur. Ouais. Allô, la briefing room. C'est là, à droite, là. Ça te fait rire, hein? Ça te fait rire. Rigole. Désolé, chef. Rigole. Non, mais rigole. Rigole. Désolé, chef. Voilà. Ok, avec qui t'as Gucci, t'as Shiro. T'as Rémi, ok, c'est bon, c'est good. Approchez-vous. Oh, Elena, encore ça va? Super, et toi, Scott? Ouais, ça va. Ok. Comment il me fout les nerfs? Ok. Gère Elena au passage. Okay. Vas-y, G-Sub, G-Sub, ce soir, je la gère. Mais ça va, c'est rapide, vraiment, hein. Là, vraiment, c'est rapide. Bah allez. Père, ouais, j'ai rien mangé, guettez le gâteau, bah oui, Rotten. 13 framboises myrtilles. Vous êtes sérieux, bande de bâtards, là? Attends, mais vous êtes sérieux? Mais est-ce qu'il y en a, ils veulent patrouiller? Comme vous voulez, ça, genre. Donc tu veux que je te laisse ma place? J'allais le faire, vas-y, Bilou, fais-le. Je la gérerai encore plus. J'étais en train de dire qu'il fallait peut-être envoyer une tango. Vas-y, bah ça part en tango avec
Avec Kennedy. Attends, mais attendez, les gars, on est en train de monter un business là. Ah, le truc, c'est que je voudrais plusieurs rookies. Et bon, allez, couscous, tu vas en tango avec Kennedy, c'est bon. Parfait. Voilà, parfait. Allez, Amir. Fait quoi, on repart en patrouille du coup? On repart en patrouille. Hein. C'est Amir. Oh, Bilou, on attend okay, Bilou. Bon, parfait, bon, je vous brief. Actuellement. Attends, hey, sur les traumatismes de guerre, désolé encore une fois. Je tiens à dire qu'hier, il n'avait pas le traumatisme de guerre. Il est venu aujourd'hui le traumatisme. C'est une organisation, je ne connais pas encore le nom de cette organisation. Mais déjà, je vous demanderai s'il vous plaît de vous mettre en radio 14. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est parti. Merci Bilou, merci Abdel. Directement à côté de notre PDP au grand débat. Merci Abdel, mon gars. Merci Bilou. Merci à vous, les rats. D'absité. Ouais. Afi. Parfait. Donc, on y va. On y va tranquille, d'accord. Pas de prise de tête. Normalement, c'est une position précise dans une caravane. On risque de trouver des choses assez choquantes. Je vais demander un maximum de sécurisation. Ouais, Scott. Je veux savoir quel est le but de l'information première, de l'opération apparemment, première. Apparemment, c'est une nourrice. C'est une nourrice, apparemment. Okay. Mais malheureusement, on ne trouvera pas de la drogue dedans. C'est un but de trouver des explosifs. Voilà, voilà, j'aime bien. Je pense qu'on trouverait des explosifs. Pas plus. Du coup, je replace JPP. Tu peux dire à Bilou qu'elle est. Tu peux dire à Elena qu'elle est craquante comme une biscotte. Moi, il faudrait que j'aille au pire vite fait. Si c'est Neige Crack et Offer G-Sub qui me le dit, je le dis. Là, je pense pas que ça va swinguer, mais au pire, vas-y, et si ça swing, on t'en fait. Neige Crack, choisis un truc que je dois lui dire. Parce que là, je suis un peu en mal en point, là, donc... Merci, Eve. Bon, vous êtes prêts? Eh, je tiens juste à vous dire, dans votre contrat, c'est pas stipulé que vous devez absolument venir dans ce genre d'OP. Vous pouvez continuer à les patrouiller et tout ça. Si vous voulez venir, vous venez. Pourquoi pas, les gars? Oui, chef. Et aussi. Oui, mon sergent. On a compris et on est là pour servir la patrie d'à vos côtés. Y'a besoin de quoi, du coup, Fébus? Y'a besoin juste d'un bélier en plus, c'est ça? La phrase la biscotte avec une voix mignonne. La phrase la... Ouais, mais la phrase la biscotte, les gars, ça va être mort, les gars. Hein. Vous êtes sûr? Ouais, je vais ramener, j'arrive. T'es belle comme une biscotte, vous voulez que je dise ça? C'est pas fou. Je vais juste récupérer les 8 balles dans mon casier, gel. Vous vous branlez ou vous mettez le gilet pare-balles, là? JPB, s'il vous plaît, Elena. Elena. Elena, mettons, JPB, merci. On est vraiment beau gosse avec le gilet. On est d'accord, non? Eh, regarde, regarde, encore plus de flow. T'es prête ou pas, Elena? Vas-y. Quoi? T'es prête? Ouais. Tiens, Chimus. Vas-y. Toi. Go, c'est bon. Voilà, ça fait un flow ou pas? Grave. Je suis mignon ou pas comme ça, Elena? Dis la vérité. Ouais, de ouf. C'est bon, on y va. Tu sens bon aujourd'hui. T'aimes quoi comme parfum? Venez, on y va. La coquine. Elena, Elena. La coquine, salope. Attention, t'es mon copain. Attention, t'es mon copain. Je la boue. Ah, il est bon. 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 Ils sont bons. Tu l'as acheté où le parfum? Allez, viens. Bah, au supermarché. Enfin, non, pas au supermarché, au. Oh, la clocharde! Ah, c'est pour un. La coquine! Achetez-le à Auchan! Non, c'est pour un, c'est pour un. T'as vu, Glenn? De quoi? Ça achète des parfums au supermarché. Non, c'est Black Ocean, c'est du Yves Saint Laurent, je vais pas l'acheter au supermarché, et il est bête ou quoi? Normal, là. T'as cru que je prenais les coffrets scandaleux? Dans un coffret. On va sortir. On prend laquelle? On prend celle-là, non? Évitez de prendre 400 véhicules, hein. Attends, mais on monte avec Seamus! Il est où, Seamus? Seamus? Ah, il est dans le 4x4. Ok, bon, bah, c'est bon. J'ai une place là, si vous voulez. Où ça, t'as une place? On y va en 2x-ray. Ah, c'est bon, 4, c'est bon, parfait. 2x-ray, parfait. C'est bon derrière. Vas-y, je te suis, Seamus. Je préviens juste qu'on passe radio 14. Mais non, 44, c'est le la centrale qui m'appelle, c'est ça les gars, non? C'est bon. Ricky, on se met en position. C'est parti.
C'est parti, bordel de merde. Ok, let's go, bro. On se focus, les gars. Là, je mets la position. Merci, Ryan, merci. Bilou, merci de régaler mon ref. Merci beaucoup, Bilou. Tu refais un duo avec JL Tommy? Là, il y a une OP. Tu refais un duo avec JL Tommy? Oh, je sais pas, on verra le RP, il va nous ramener où, mon ref, hein. Moi, je suis dans le Nord. Y a pas de rapport. Y a pas de dossier à faire à chaque arrestation. Je suis bien, là. Ok, les gars, focus. Ouais, focus, focus. Focus, focus. Vous avez peur? Vous avez peur, les gars? Non, jamais. Ah, mais c'est ça, America. Ok, on arrive sur site sans hostilité. Normalement, on se fait pas agresser. Oh, non. J'aime bien le normalement. Un campement de manouche. Vous avez la ref ou pas? Si vous avez la ref. Si vous avez la ref de ce que je viens de dire, alors là vous êtes des cracks du cinéma. Je sais pas, je connais pas les lieux. Oh là là, vous êtes fort, vous êtes fort, vous êtes fort, les gars. Ouais. Vous êtes fort, non, non, y'a rien à dire. Est-ce que c'est le mieux? Un campement de manouche. Voilà. Abdel, il régale, hein! Un utilisateur anonyme! Okay. Putain, mais le train, bon. What the fuck! On est bientôt 2300 subs! Donc 13. Oh, les cracks! Scott, Elena, je vais gérer de la meuf sur GTA RP toute la game, hein! Ok, vous nous dites ce que vous voyez à l'intérieur. C'est bien pris. Ok, c'est bien pris. Et Armand, vous venez aussitôt. Ok, ça pas les cons! Ok, en position, Elena, en position. Je suis en position. S'il vous plaît, on essaie de prendre des positions. Histoire d'être sûr que personne okay. passe. Moi je surveille le bac. Pas de trafic de merde. Il y a une deuxième porte. Scott prend la deuxième porte là-bas. Ah. Laquelle? Et on rentre en même temps, ok? Alors, ok, ok. On prend juste des positions, on voit ce qui se passe dans le délire, il rentre en premier et puis voilà. À 3. 1, 2, 3, couscous. Police! Police! Ok, ok, ok. On va éviter de se braquer entre nous. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Vous avez vu quelque chose? Ok. Rien, on fouille, on fouille, on fouille. On fouille, y'a rien. Ok, Glenn, viens, on rentre. Glenn, viens, on rentre, apparemment, ça stay safe. Ok, y'a rien. Attends, y'a une petite trappe. Y'a juste une trappe. Ouais. Sûr. Une trappe? Ouais. Ok, y'a une trappe. J'essaie de l'ouvrir. Putain, j'arrive. Putain, il est bloqué. C'est pour ça qu'on a ramené le bélier au cas où. Ouais, faut vous avez fouillé le coffre là? Non, ouais, on va fouiller. Ah, bah ça déjà fouillé. Y'a pas de clé? Y'a rien? Y'a rien dedans. Ok, parfait, je vais chercher le bélier dans la voiture. Vas-y, ça marche. Allez-y, rentrez tous à l'intérieur. C'est bon. Rentrez tous où? Je suis pas capitaine. Capitaine, je le sens pas. Pourquoi tu le sens pas? C'est trop calme, y'a rien, il se passe rien, c'est trop bizarre. Oh, c'est peut-être pas comme juste comme ça. Hein. Ah non, non, un endroit comme ça, pas surveillé, rien du tout. Pas que j'arrive, les potes, restez sur les appuis, d'accord? À tout moment, ça peut arriver. C'est comme ça que nous ont eu au Vietnam en 2012, Glenn. T'as fait la guerre, toi? Fait Vietnam en 2012. Mais bravo! Comme ça qu'ils nous ont eu, hein. Ils étaient cachés, on pensait que c'était calme. Scott, t'as servi où, toi? 5ème infanterie. Avec Matt Houston. Avec Matt Houston? Incroyable, la chance, mec. Ah, et toi, t'as servi? J'étais de 2ème régiment, moi, des US Navy, des SEALs, pendant plus de 10 ans. Oh putain, je savais pas que t'étais un des nôtres. Je suis un SEALs, je viens du régiment Wakata, mon copain. Oh, ok, ok. J'ai servi 5ème infanterie, 2ème régiment, parachutiste. Avec parachutiste? Ouais, ouais. Avec Matt Houston, c'est incroyable. Avec Matt Houston. Bon, j'ai le bélier. Parachutiste. C'est un peu drôle, Elena. C'est pas en France, les parachutistes? Ça va tirer les gars, je vous préviens. Elena, légion entraîneur, étrangère. Elena, légion étrangère. Allez, focus, focus. Voilà, focus, okay. Exactement. Scott,
Ok. 13, vous y rentrez en premier, ok? Ok. Wait. Ok, les gars, on y va. Merde. Surtout, on crie, faut qu'on montre qu'on est là. Vous êtes prêts? Allez-y. Go, 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 go. C'est respect. Oh, respect. Ok, personne ne bouge, personne ne bouge. Putain de merde. Oh, putain de merde. Wow, wow, baissez les armes, baissez les armes, baissez les armes, oh, on sait jamais. Ok, 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 ok. Il y en a de l'artillerie. Bordel, il y en a partout. Touche à rien, hé. Oh, bingo. Si tu n'as pas de gants, ne touche à rien. D'accord. Ok, prenez vos gants, les gars. Putain de merde, la belle prise. Seamus, Seamus, Seamus. Qu'est-ce qu'il y a? C'est putain de plan pour faire des bombes artisanales ici aussi. Où ça, là? Ouais, ouais. Il y a bien tout ça. Ici, j'ai une fusée de détresse et des documents, Seamus. Ok, prends les documents. Je prends, ok. Ouais. Vous prenez tout ce que vous pouvez prendre, ok? Des photos aussi, des photos. C'est important. Maximum de photos. Ouais. C'est quel type de bombe, ça? Ça, c'est de la 5-5-5-5-7-6-2. C'est soviétique. J'ai mis où les photos? Ok. Les photos, tu les envoies par mail. J'envoie par mail ou j'ouvre un dossier? Envoie par mail. Ouvre un dossier, écoute aussi, s'il connaîtra mieux que moi pour l'administration. Ça, non, c'est quel type de bombe, ça? Là, les gars, on est sur quelque chose de... Tu mets toutes les photos dedans. Non, mais là... Je vous le répète. Attends, mais c'est radio, qui ces mecs? Tu nous as pas tout dit, là, non? Plein de photos, vous mettez tout dans le dossier que Elena va ouvrir. Mais moi je savais qu'on allait trouver de l'artillerie, mais je pensais pas en trouver autant. C'est de la MP24-24. MP24-24B. Non, c'est de la C. MP24-24C, pardon. Ouais, ouais, la tige, c'est pas la même, la B, la C. Ok. Celle-là, c'est quel type de bombe? Ça, c'est de la UU-24-5. Par contre, les armements... Non, mais attends, mais c'est des militaires, le bordel. Mais il y a les plans de la ville, carrément. Ok, tous ceux qui ont pris un document ou un papier, s'il vous plaît, on se fait un brief là-dedans. La UU. UU. On bouge et on fait comment pour faire le brief? Je pense qu'il faudrait sortir, on va débriefer directement. Ouais, on poste, sait, hein. C'est lui, dehors. Le safe, ouais. Vas-y. Prenez des photos, j'ai pas pu en prendre, j'en ai pris qu'une pour l'instant. Moi j'en ai plus deux, moi. Vous en avez pris? Je les mets dans le dossier, d'accord? Vous le mettez dans le dossier, Jack. C'est mis. Ok, c'est très bien. Il y a des dossiers, je suis même pas au courant. Je suis vraiment en mode. Il y a des dossiers de l'intervention, je suis même pas au courant. Putain, mais arrête avec ton bouclier de merde là. On attend tout le monde. Vous me banalisez les portes là. Quoi? On les banalise? Banaliser les portes. Enfin, vous me les laissez banaliser pour que personne rentre. Ah! Ah! America! Neutralisé. Fait peur. Oh, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'avais dit. Y'a 20 mecs. Il a tiré. Ouais, oui. Y'en a un autre! Y'en a un autre! C'est bon, je l'ai. Bien joué. Attention, ça arrive. Attends, regarde. Aïe, putain. Eh, mais attends, 13, mais ça va 13. Ça va 13. Non, non. 13, il est où 13? Il a été touché? On bouge. On se casse. Non, 13. Très t'inquiète. On se casse. On va l'emmener à l'hôpital, l'emmener à l'hôpital. Tu vas conduire? Attends, je t'ai besoin de quelque chose. Yo, relou, ça va ou quoi? You. De cet hôpital? On a condamné les portes? Seamus, c'est pas toi qui conduis là, au cas où t'es derrière. Ouais, je sais. On va au poste. Tu veux que je conduise? Ouais, conduis, bordel, casse-toi! Ok. Casse-toi cet endroit vite! Ok, Seamus! On est dans la merde, putain, c'est qui ces mecs? Je sais pas, mais c'est les mêmes gars qu'hier, bordel de merde! C'est les mêmes gars qu'hier, qu'est-ce qu'on sait d'eux, on sait rien! Putain, mais c'est la voiture, ils l'ont piégé, les bâtards! Arrête de dire de la merde, me dis pas ce genre de truc! Ils ont piégé la voiture! Qu'est-ce qu'on en sait qu'ils ont pas piégé la voiture? Trace la putain de route! Regarde, ça roule même pas, putain! Mais roule vite, putain de merde! Roule le plus vite possible, putain! C'est qui ces mecs? J'ai eu des bombes artisanales, des bombes artisanales. Waouh! Aïe! Y'a un problème, putain! On va casser! Je vais vous aider, s'il vous plaît! Aïe! Putain, je te dis de l'empiéger, la voiture!
Casse-toi. Ah putain, ils vont la casser. Elena, sors vite. Elena, Younger, run. Je t'ai dit, ils ont piégé le véhicule, putain. Ils ont piégé le véhicule, les gars, faites gaffe, ils ont piégé le véhicule. Notre véhicule, il s'est retourné d'un coup. Ok, qui c'est qui est des mineurs ici? Scott! Ouais! Scott! Ok! Écoute-moi, tu pars faire le tour de ce véhicule et tu détectes s'il y a des bombes. Ok. Dépêche-toi! Regarde, c'est pas le moment de bégayer! Coupe ta radio avant. Ta radio avant d'y aller parce que ça peut être dangereux. Ok, Scott, fais attention, okay, mon copain. Putain, ça bouge! Vas-y, Scott! Ok. Tu gères? Pour l'Amérique, ouais. Accompagne-le 44, je sais pas! Je coupe ma radio. Elena, faut que tu viennes avec moi, Elena. On fera ça après. Elena, faut que tu viennes avec moi, j'ai besoin d'un soutien. Elena, va avec Scott. Oui. Ok, Elena, ton arme, c'est une bombe, Elena. Elena. Oui, bah c'est une bombe. C'est une bombe, faut Elena. Bien qu'on se protège, qui nous tiens-moi par l'épaule, Elena, tiens-moi par l'épaule. Je te tiens par l'épaule. Tiens-moi par l'épaule, Elena. Je te tiens fermement là. Ok, elle est là. Ok. Elle est là. Contrôle. Allez, contrôle du périmètre de sécurité, les gars. Contrôle du périmètre de sécurité. Breakdown on the motherfucker. Ok. Contrôle du périmètre, putain, arrête de crier. Ça va aller. Elena, tiens-moi par l'épaule, je suis en train de stresser. Je te tiens par l'épaule, arrête de stresser, ça va aller. Regarde. Inspire, expire, ça va aller, calme-toi. Inspire, doucement. Expire, calmement. Ok, on a deux bombes, les gars. Oui. On a deux bombes, les gars. La voyez venir ou pas? Fais gaffe, je te tiens, t'énerve pas, je te tiens, regarde, je suis avec toi, t'énerve pas, ça va aller, regarde, je suis avec toi, ça va aller. Elena, partout. Il y avait deux bombes, j'ai vu deux bombes. Je sais, ça va. Attends, Vakan. Oh putain. Ok, ça avait l'air d'être un peu de fumée. C'était une fake bombe et une vraie bombe. Et tu sais laquelle est la vraie? C'était toi, Elena. Oh. On se regroupe. Ramenez-vous, on se regroupe. Ok, faut qu'on y aille, Elena, pour la patrie. Ça roule, mon frère. Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'il y a, Siro? Là, le papier que j'ai sur moi, c'est pour quelque chose qui va se passer dans... Tu l'as lu? Exactement. Là, je l'ai devant mes yeux dans moins d'une heure. Ok, d'accord. Mais attends, mais tu l'as lu, mais c'est quoi? C'est le secrétaire de la main noire. Encore eux, putain. Putain, on analysera cadeaux... ça au commissariat, merde. Les gars, plus tard, je pense vraiment pas que... Waouh. Vous avez failli mourir, putain de... Monsieur Scott. Ouais, c'est qui? J'ai besoin de vous absolument de suite. C'est qui? Mikey, c'est Mikey. C'est qui, Mikey? Le gay? Mon beau-frère. Comment ça, le gay? Parce que là, je suis sur une bombe, là. C'est pourquoi? Il y a un concurrent pour vous. J'arrive le plus vite possible. Il a embrassé votre femme devant mes yeux. J'arrive. Vous connaissez, vous allez jamais venir. Si, vraiment, je vais arriver. Vous ne savez même pas où je suis. Mais attends, je suis sur une bombe pour la sécurité nationale. C'est vrai. Autant pour moi. Je reviens. Allez, tout de suite. Mais de toute façon, il y a Elena. Ok, les gars, ça donne quoi, les gars? Encore une? On sait pas, on vérifie. C'est que de la vérification. Ok. Écoutez, je vais éteindre les gyros déjà. C'est peut-être ça. Ouais, on sait jamais. Très bon réflexe. Ok. En attendant, je réussis à déclencher les véhicules civils. Ok, pour l'instant, y'a pas grand chose. Ok. Genre. T'as une loupe pour regarder en dessous? Je suis en train de regarder en dessous. Ok. Fais gaffe, ils aiment bien cacher ça dans le joint de culasse. T'es sûr de toi? Ah,
Y'a rien de suite dans le moteur pour l'instant. Je suis dans le moteur. C'est bon, j'ai un véhicule pour nous. Y'a pas grand chose, c'est bon, y'a rien. C'est bon. Derrière, ok, Il a pas tiré. Monsieur, baissez les mains. Faites gaffe, faut tirer croisé, les gars. Il se barre, on est obligé de tirer, chef. Non, vous me le tasez. On le tase, neutralisation de l'être humain. Oh putain, il revient. Arrêtez-vous. L'intervention d'Elena est puissante. Elle a couru la main, s'est pris une voiture. C'est merde. En fait, vous l'envoyez directement au poste. Ok. Lâche-le. Ouais, attends, je le mets dans le coffre du capitaine. Lâche-le. Non, je vais pas l'abandonner. Mais... Non, lâche-le, t'inquiète. Ah, merde. Ils vont le mettre dans le coffre. Mais je l'avais mis dans le coffre. C'est pas grave, c'est pas ta faute, Elena. Il s'est mal à... Vas-y, monte, les tiros, là, on va... Allez, monte. Voilà, quelqu'un conduit ce véhicule, putain. Ah, s'il vous plaît. C'est chiant. Mais ce qu'elle veut bien faire, mec, on prend pas la pauvre. Moi, dans le lâche-le, j'ai quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi ce bordel de la main noire encore? Ça pue du cul, t'as vu ce qu'on a trouvé? Siro, tu m'entends? Des ogives, oui. Putain! Ouais, c'est tiré par balle, bienvenue au club. Ce sera ta première fois, j'espère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas la dernière. Ouais, bah c'est pas la dernière. Oh putain de merde. Monsieur Jean, je vous ai mis ce qui est écrit sur le ticket d'opération. On fait un brief, tous ensemble, au commissariat, dans le calme. Oh le bordel que c'était! Putain de merde. On a peut-être sauvé des millions de personnes, les gars, sachez-le. On a encore sauvé personne. Où est-ce qu'on peut se faire un débrief, les gars? Wesh, calme, mon frère, il est aigri. Allez, les gars, on va regarder les documents. Il est trop aigri, wesh. Je suis avec Zoé et son autre mari. Oh la salle. T'inquiète, j'irai les enlever juste après. Elle est dans la salle PA direct. Ok mon cap. On vous écoute, qu'est-ce qu'on fait cap? Bah écoutez, là actuellement on a reçu du coup plein d'infos, c'est ça? Sur les documents qu'on a récupérés. Attends, juste gros débile, moi. Tu fais quoi avec ton téléphone? Non, rien, désolé. Raccroche-moi désolé. Ça. C'est bon. Ah, je m'assois. Okay. Juste pour l'information, je vous ai mis ce qui avait écrit dans le ticket d'opération. Je m'en branle, là on fait le débrief de ce qu'il y a écrit maintenant. Là. Vas-y. Ah, ok. Il casse les couilles. Alors, il y a écrit secrétaire de la main noire. Le premier cadeau doit être installé le matin du 19/03/2004 à minuit 45. Donc, dans moins d'une heure. Veillez à bien préparer le cadeau et surtout gardez cette information confidentielle pour ne pas gâcher la surprise. Je vous donne la position de l'installation. 134.100.15.20. Non, 1526. Bref, c'est une position. C'est une poche GPS. Si. L'épicier okay. souhaite qu'un garde soit posté aux alentours de ce cadeau en attendant la fin des 24 heures de compte avant la grosse surprise. Harold Miskovi. J'ai aussi un papier. Miskovi, je t'ai dit, russe, t'as vu? J'ai aussi un papier, moi. Secrétaire dans la manoir, il y a une taupe parmi vous. Merci de la retrouver, de la remettre dans son trou. Si les flics commencent à trouver nos petites maisonnettes, on ne pourra plus agir dans l'ombre. Alors gérez ça vite, avant le premier cadeau du ciel. L'épicier est actuellement à Hong Kong, mais il prévoit de remettre les pieds sur San Andreas pour la grande cérémonie organisée. Harold Miskovi.
Et l'épicier, ça rebondit à ce que Glenn, tu nous as dit en début de soirée avec 13. Ouais. Oh, la... ouais, le message que t'as reçu. Putain, oui, c'est vrai. Au cas où, il y a vu qu'il y a tout le monde là. Je vais le relire, ouais. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Attendez. Il y a énormément de coups de feu. Hein. Bonsoir, capitaine du Nord. Je me présente, je suis l'épicier. Merci de. D'enquête ou je ne sais point sur nous. Vos agents ont le nez un peu trop penchant sur nos affaires. Évitez de trop enquêter, sinon vous démarrez votre autodestruction. Ok. Ouais, c'est quoi tous ces open? Ok. Je pense voir d'où ça vient. Bon, on se fait ça à tête froide et on se regroupe dès qu'on a fini de régler le problème. C'est pas tête reposée, normalement, l'expression. Ok. Par contre, les gars, les tirs, ils sont à côté, les gars, tous les tirs. Hein. Si, ouais, si. on y va. Oh, c'est parti, allez, top go. Hostile en patrouille avec moi. Vas-y. Et 13. Allez, on y va, on se bouge. Je vais avec qui, moi? On se refait un débrief après, ok? Et Tiro. Vas-y, Elena, go. Cette OP-là, on va l'appeler l'OP Miskovic. Vas-y, okay. Vas-y. Donc, si je demande de venir, vous venez. C'est bien pris. N'oubliez pas, on retourne Radio 7 en attendant. Et dès ça marche. L'appel est fait, on repart sur cette radio. Vas-y, Hostile, sors d'une caisse. Ok. Tu conduis, Elena? Ouais. T'es sûr que tu vas gérer? Tu veux conduire? Vas-y, je conduis. Je suis un bête de vas-y. Pilote. Vas-y. Bah, on va X. Bah, je vais avec. C'était où? C'était là-bas. Hein. Allô? Oh, waouh. Tu peux gérer la radio? À gauche ou à droite? Et ici, c'est là. Derrière. Ouais, je t'ai mis le point. Ouais, voilà, on est d'accord. Encore là? Ça tire encore là? Si. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Chiro, dis-toi, possible d'avoir un petit citrep sur tous les coups de feu? J'ai rien compris! Attendez, j'ai juste. Quelqu'un comprend ce qu'elle a dit? C'est un braquage de train. Ça va être la merde, faites gaffe. Hein. Là. Mais c'est où? C'est là? Besoin de 10-35 pour le braquage? Là, c'est juste là à gauche. Là. Là, fais demi-tour. Ouais, fais demi-tour. Ouais, je les vois eux là, mais il y a d'autres. Non, mais personnes. C'est pas ça le barcage de c'est pas ça. Attendez, faut que je repasse sur la radio 7. Ah, c'est à gauche là-bas là? Oui, ça continue sur la route. Non, continue sur la route. Mais ils sont assez voilà, limités. Non, passe pas par là, passe surtout pas par là, on va se faire tirer dessus. Non, mais ils ont éliminé tout le monde. Ils ont éliminé tout le monde. Ok, ouais, mais il faut quand même que t'ailles au-dessus. Vas-y, mets la pause sur le GPS. Faut pas que tu passes par là, faut que tu montes derrière, tu vois, le pont derrière toi. Bah, faut derrière, que t'ailles en haut. C'est quoi, vas-y, coach, moi je connais pas assez le secteur, vas-y, coach, je connais. Et normalement, faut que t'ailles en haut derrière. Ouais. Jusqu'à ce que le lit d'OP se donne le temps terre. Et quel lit d'OP? Merde, enfin, chat, moi j'ai pas dit d'aller sur la radio. Vous servez à rien, chat. Et quoi, y'a des mecs qui tapent le train là? Ouais. Il y aura une course poursuite? Normalement, non, il y a des négociations avant. Et après, une course poursuite? Oui. Oh, je peux la tenter, s'il te plaît. Parce que là, c'est le lit d'OP qui te mettra sur. C'est nul. Et la voiture, elle a pas l'air fou, non, celle-là? C'est une Torrens, c'est pas la meilleure, mais on n'a pas trop le choix, on est aussi. Hein. Oh. Ça va nique. Ça y est, ils sont là. Ça y est, ils viennent d'arriver. Un véhicule du coup devant le train actuellement. 4, un ticket d'opération était ouvert ou pas du tout? Salut, wesh non, ça va quoi. Va sur la radio 7, je suis sur la radio 7. Regarde en bas à droite de ton écran, Diablotin. Le véhicule noir vient d'arriver, je crois qu'on peut être au panthère. Sam Kennedy, 19 office. 10-4. Attendez. Vas-y. Attendez, je comprends pas. Ça a tiré après, il y a un véhicule noir qui vient, je comprends pas. Non, je t'explique. En fait, il y a des gardes qui protègent le train. Ouais. Ok. Et voilà. Elena, vas-y, je suis. J'y vais. Je cherche juste un endroit où descendre sans niquer la voiture. Désolé. Ah, les enfants. Du coup, pour le 8-1, je sais pas, est-ce que ça a déjà été désigné ou je le désigne là? 10-4, je suis là, je viens. C'est Radio 8. Du coup, s'il vous plaît, je voudrais les. Attendez, je passe Radio 8. Bah, Radio 8 là? Moi je veux que tu libères en ouais. Premier. Moi je veux que tu libères en premier. T'es sur Radio 14? Blessé. Ok. Regarde, ça va être simple. Demande une contrepartie. Tu
Tu me libères la première qui est blessée maintenant. Sans contrepartie. Oh la dinguerie. Genre là, ils sont en train de braquer là. Et tu penses qu'ils vont bombarder dans le sud? S'ils bombardent dans le sud, on peut les prendre en poursuite ou pas? Oui, on les prend en poursuite. D'accord. Et là, ils vont bombarder dans le sud. Stanislas, je te demanderai de mettre le silence. Et puis, je me la libère. Ah, bien vu, j'ai pas la radio. Mais le chat, tu me dis rien. Hein. Heureusement, il est là, ce code. Le dossier d'opération est ouvert. Prenez des photos, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites pas les cow-boys. Ils vont me tuer, vous comprenez pas? Ils vont me tuer. Ouais, elle est avec eux. Les gros rasslards, elle a un accent, elle est avec eux. Je serais perdu à ta place, je comprends rien à votre affaire. Mais si, mais là c'est que c'est pas. Côté gauche et côté droit là, débarrasse s'il vous plaît. En échange, je récupère l'otage blessé. Vas-y, prends la voiture et... Ouais. Et la Felon et la Buffalo, ils veulent que vous venez à côté de nous. Donc je répète pour ceux qui sont sur la PO, celles qui vont libérer, elle a pris une balle. Donc merci d'appeler directement un EMS urgemment. Les EMS ont déjà été appelés. Ah ouais, c'est pour les lingots là. Madame, est-ce qu'on peut juste vous rasseoir vite fait comme avec les mains en l'air? Juste vous. C'est pour les lingots ça qu'on faisait ça. J'arrive, j'ai pas les sens. Je m'en vais, c'est bon. Sur le côté, il respecte pas trop à droite. Hein. Elena, je vais mettre de l'essence également. Écarte le véhicule, s'il vous plaît, quel passage. Bon. Vous avez pris une balle où, madame? Maintenant. Il s'est pris une balle dans l'épaule. Moi, ce que je veux... Là, ils ont pas des voitures de ouf, en vrai, si. Et on enlève les médecins, je vais arriver. D'accord, je suis super. Si ça arrive d'un train... J'ai vraiment mal, je me sens pas bien. En vrai, ils ont pas des voitures de ouf, si. Mais oui. Une petite taxe, c'est-à-dire. Je vous donne ça. Oui. On a quoi comme véhicule disponible pour la poursuite opérationnelle? Moi, Felon, là j'arrive. Et qu'est-ce qui vous empêche d'aller acheter ça? Eh ben, capitaine, vous prenez, mais du coup, c'est quoi? C'est notre Felon qui a sur place? Et je sais pas, ouais, regarde ça les vrai, véhicules, après je crois balle. Que c'est des Torrens, un truc comme ça. Et comment ça se fait? Pourquoi oui. Vous voulez pas travailler? J'ai essayé de me sauver, mais je vais pas courir assez vite. Et moi je vais pas mentir, je suis une feignasse. Oui, allez-y. C'est vrai qu'il est un peu feignant. Une feignasse, mais t'acceptes de faire des kilomètres pour venir. J'ai oui, vous capitaine, vous prenez là, c'est là en face. J'ai travaillé à la ferme voilà. Des Gropsides. Et la Hachette, c'est quand tu faisais des j'arrête de parler fort, s'il te plaît. Parce que sinon, je vais botter le cul, tu vas t'en souvenir toute ta vie, connasse. Si, discrète, on fait ma tango du coup. Alors arrête de menacer les otages. Ta gueule. Mais oublie pas, on est 4 voitures, c'est 2 voitures. Je voudrais me respecter, s'il vous plaît, je vous ai pas insulté. Respecte-nous, on te respecte. Je vous respecte. Enfin, avec beaucoup de mal. Capitaine, le truc, c'est les autres. Mais bref, maintenant il vous reste combien d'otages? Voilà. Ça parle beaucoup, Radio, non, les gars? Parfait, est-ce qu'on peut les voir s'il vous plaît? On les met quand même sur la poursuite. Non, mais okay, ils sont cassés. Les poursuites sont nuls. Levez-vous. Eh ben, allez au poste rapidement et changez les véhicules pour le bovin. Ah, ok. Ça, c'est monter le son, ça, c'est bêter le son. S'il vous plaît, limitez vos calls radio, c'est infâme. Ah, voilà. Là, c'est bon, là. Ah, ça a l'air d'être des branquignoles, non? Ouais, un petit peu, ouais. On est d'accord. Nickel, je vois que vous avez une belle dame et un beau petit garçon. Exactement, Roxy. Bon, ceci étant, j'aimerais que vous me dites, s'il vous plaît, actuellement ce que vous êtes en train de prendre. Soyez honnête, s'il vous plaît. Je vais pas vous mentir, je vais regarder un peu. Et genre, ils vont le dire, là? C'est des branquignoles. Oh, ils vont le dire. Oh, j'aurais menti. Ou alors ils vont mentir. Moi oh, j'aurais dit ouais j'ai ça. Et si je me fais prendre, j'ai pas regardé, je l'ai pas dans mon coffre. Hop là. Lingots de cuivre. Oui, il dit la vérité. Hein, ah il est ouais con. Oh. Des petits lingots quoi. On fait quoi des lingots de cuivre hein? Là on part sur un mensonge déjà. Comment voilà. Je sais pas du tout. Mais c'est exactement ce qui se retrouve à l'intérieur. Alors là, Seamus, te laisse pas faire, Seamus. Vous m'avez dit que vous êtes là pour récupérer de la nourriture. Donc là, c'est différent, vous êtes en train de voler de l'or national. Oui, on a tapé de l'or, oui, on a tapé exactement 36 lingots d'or. Ok. Ah bon? Quelqu'un aurait le courage de donner un nom, un surnom peut-être?
Les GG, 6 blocs, on t'encule. 6 blocs. 6 blocs. Ah, 6 blocs, on a cassé la gueule hier, je me rappelle. Oui, bon, on va te faire enculer aussi. Tu veux pas okay. Au prochain manque de respect. Au prochain manque de respect. Écarte-toi, écarte-toi. Au prochain manque de respect, malheureusement, ça va être extrêmement compliqué pour vous. Donc je vous demande. On va pas rentrer dans leur quartier sinon ils cassent les couilles. Ils nous cassent la gueule. Donc tu restes à ta place, arrête de croire. Actuellement, je veux la vie des otages, mais j'estime qu'il y a actuellement plus important. Bon, écoute, on est dans le jour où tout a basculé, là tu me racontes ta vie. Je te demande juste, s'il te plaît, de comprendre que nous, on veut l'or du pays. Et tu vas okay pas l'avoir. Parce que là, actuellement, t'es en train de... Si, on va avoir l'or. Ok, tu sais quoi, je vais me concerter avec mes collègues, je reviens. Les gars, venez. Elle parle bien, par contre. Venez, les gars, venez. Hein. Arrêtez de leur parler, venez. Arrêtez de nous parler. Venez, vous m'écoutez, s'il vous plaît. J'ai un code de plan. Dès que je dis go, on les braque et on les encercle, d'accord? Et je continue la négociation avec eux. Ok? Vas-y. Et s'il faut tirer, on tire. Ok? S'ils ont des haches, on les choue. Il n'y a pas le choix, c'est l'or du pays. Prêt? Ok. 3. On les laisse pas prendre l'or. Ok! Bon, messieurs, maintenant on va commencer à parler un peu plus sévère parce que je vois que les manques de respect, vous savez bien y faire. Les gars, entre choisir. Attends, calme-toi. Avant d'agir ou de faire quoi que ce soit. Hey, je vais te dire, je suis quelqu'un qui a le sang froid. Bon, tu me laisses continuer à dire ce que j'ai envie de te dire. Je m'en branle que t'es le sang froid, je m'en fous de ton background. D'accord, maintenant tu m'écoutes. Tu m'écoutes. Actuellement, je vais pas te laisser voler l'or du pays. À la limite, tu prends le cuivre, l'argent, mais tu prends pas tout l'or du pays. D'accord. Très bien, alors je vais être un peu plus corsé. Tu ne partiras pas avec l'or. Venez, je vise un collègue sans faire exprès, non? Bon, on va partir avec. Okay, ou je vise un civil. Je rigole. Attends, je vise Elena et je faisais ma. Oh non! Les on sera contraints de vous mettre en état d'arrestation. D'accord. Tu vas nous mettre en état d'arrestation. Une fois que tu nous auras chopé, parce qu'on va partir avec les otages. Chiro, est-ce que tu as appelé un mécano? Si vous partez avec les otages, c'est un choix que vous aurez fait, mais on continuera à vous Est-ce que tu as pris un mécano? Malgré tout. D5. Je m'en occupe du coup. Ah, c'est une félone ça! Ils vont repartir avec la félone, on est d'accord! Je te donnerai pas l'or. Ok, tu me donneras pas l'or. Je te donne le cuivre. Ok, déjà on part sur quelque chose de bien. Ok. Il y a des otages qui sont en train de clapser, puis. Ah, y'en a un qui est en train de... Ah bah oui, il a peur, hein, vous avez braqué tous avec vos armes. Bah oui, oui. Ramenez un EMS, y'en a un qui est en train de faire un malaise là. Hey, il va mourir. Non, les faibos, c'est du pas... Du coup, la Tanglen et la Tango 95, on sera sur la pelote. Et l'X-Reste de la Dame Chemus sur l'Impaler. On prend le cuivre, mais je veux que vous me ramenez l'otage qui fait un AVC, ici. Il aura pas le cuivre et t'auras l'otage, c'est tout ce qui va se passer. Je vois beaucoup d'unités là quand même. Parce que t'es actuellement en train de voler leur. J'avoue, on est beaucoup quand même, non les gars? Tout le monde ne sera pas sur la poursuite. Il y aura pas trop d'unités. Alors chacun fait son travail, vous braquez des trucs, nous on fait les flics, d'accord? C'est très bien. C'est très bien comme ça. Vas-y, refile leur parce que. Ouais, refile leur, je parle d'abord. Ça va, comment ref? Tu es qui? Obligé de soutenir le GOAT, continue comme ça. J'aimerais voir la personne qui fait un ABC. Officier Strauss 195, je sais pas. Et toi? On s'est vu, non? Sergent 116. On s'est pas vu, non? Mais pourquoi tu rigoles? Mais pas ce que tu m'as dit, on s'est vu comme si. Mais t'es qui? Mais c'est toi, je parle. Sergent 116, toujours. Ah, mais je suis arrivé hier, moi. Ah oui, j'ai un pote à chez lui. Enchanté alors, bienvenue. Enchanté, 116, 116, c'est ça? C'est ça. Le retour de Scott. Bien, il est venu, il m'a dit t'es qui? Ça va être simple. On va ranger nos armes et en échange, vous le libérez. L'MS, récupère-le là, je suis en train de me faire mordre. J'ai pas entendu, tu peux répéter s'il te plaît? On part sur ça? Prenez-le. Nickel, prenez-le, baissez vos armes, y'a pas de problème. Allez, ramenez-le. Prenez-le. Laisse les mains, toi. Ouais, c'est quoi cette voiture? Pour les poursuites, comment vous approchez de vos véhicules? Exactement, je confirme. Tu crois que je suis des pattes ou quoi? Alors, elle croit trop que je suis des pattes. La Tango 95 sur la Felon
Elle a une clé. Vous avez des chats ou pas, chat? Est-ce que vous avez un chat à la maison? Prépare-toi à monter dans le véhicule. Vas-y, vas-y. On part en poursuite? Bien, ouais, on part en poursuite. Non, il appelle un mécanicien, les gars, vous inquiétez pas. Tu conduis, du coup? Ouais, vas-y, s'il te plaît. On monte pas encore, mais on se trouve. Ouais, t'inquiète. Attends, on course laquelle? Les deux vont partir? Nous là, Impaler, on est on suit le capitaine. Le capitaine, il est en tête de. C'est laquelle là, Impaler? Celle derrière, pas la Felon? Non, nous la Felon. Bonsoir. Ah, on course la Felon. Salut. On a un otage là, enfin un otage, oui, un otage. Non, qui c'est. Un otage ou un. Si, ouais. Une victime quoi. Il s'est fait voler tout, son téléphone, tout. Donc du coup, il demande qu'on lui rend. Oui, bah on va essayer de le récupérer sur les mecs qui l'ont chopé. C'est lui qui a tout. La Tango, chez lui, s'approche. Voilà, je vous préviens. Ça marche, merci monsieur. Alors, la Tango chez Mus, ils avaient leur 4-4. Non, mais elle prend quoi comme véhicule? Ah, la Impaler. 10-4. Attends, non, on prend laquelle là? Faut corriger deux petites secondes, les gars, on arrive, on est fermé. Elon, Elon. Et chez Mus, il est sur laquelle? La Impaler. Ok. Téléphone, voleur! Ta gueule, toi. Rendez mon téléphone! Laquelle, la Impaler? Puni. Merci Rel Snow. En vrai, on se marre bien, je trouve, hein, les gars. Ça me fait penser quand j'étais petit, un dessin animé Peter Pan. On se marre de ouf. J'aime bien ce petit RP. Toi aussi, t'as une fille, ou genre. T'es le genre de mec qui a eu une enfance et tu oses faire ça. Ouais, ouais, y'a pas eu d'enfance, lui. T'as pas eu d'enfance. Ça se voit que t'as été mis à la DAS et abandonné directement. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu me pardonnes, hein, je pisse dans une bouteille, j'en peux plus. Moi j'ai un père et une mère, ils m'ont bien éduqué. T'as pas cette éducation, t'as vu? Bref, je peux plus rien dire, on va rester cordial comme tu l'as dit. Ils m'ont tout volé, monsieur. Sinon je vais commencer à dérailler ça. Bah éducation fait tout, y'a un flic, y'a un mec qui porte une cagoule. Mais Gano, il a été appelé du coup? Parle-moi bien. S'il vous plaît, est-ce que le mécano a été appelé? On parle chevalier avec ton couteau. Là, les gars, il y a un problème. Je crois pas, Chiro. Le truc, c'est que. Il fait chaud dans le nord. Tu vois. Là, t'es dans le nord. S'il vous plaît, on peut se réveiller en radio là. Qui a pris. Qui a appelé le mécano, s'il vous plaît? Je te dis un truc, sur ça, je suis d'accord avec toi. Ceux du sud, c'est vraiment des enculés. Ils valent rien, ils valent pas un truc. On va faire différemment. Chiro, qui a pris le mécano? Ouais. Du sud, c'est des putes. Ok, très bien. Alors je vous demanderai d'arrêter de nous insulter, de nous demander de nous fermer notre gueule et tout. T'es Radio Baxter ou pas? C'est toi, connard. Y'est con. Je lui ai dit Peter Pan, mais je parle pas. Andrew, commence à répondre, sinon je te jette péter la gueule. Là actuellement, je pense que vous mesurez pas la gravité de votre acte. Y'a l'ordre du pays qui est en jeu. Mais pas en lui, ça. C'est vrai. S'il vous plaît, c'est qui a dit qu'il s'occupait des mécanos, s'il vous plaît? C'était Andrew, mais on n'a pas eu de réponse, il a dit qu'il décrochait. Et si vous arrivez à vous partir d'ici en vie avec vos voitures, croyez-moi. La poursuite sera extrêmement corsée. Bon, du coup, je vais m'occuper d'appeler les mecs. Exactement. J'ai mis actuellement toutes mes patrouilles dedans. Essaye de gérer Elena. Team Elena ou Team Zoé? Attends, c'est moi, mais la Blondinet qui est très fort chez vous, je crois que c'est votre meilleur conducteur. Rendez mon téléphone! Très bien, on a le mécanicien de présent. Mon téléphone! Je vous demanderai s'il vous plaît d'avancer. Elena, les deux. Wesh, frère. Team les deux. Wesh, Elena! Team Zoé la caisse. Zoé c'est qui même? Il y a pas de mécano là. Pourquoi choisir? Les collègues vous trouveraient d'accord s'ils tentent quelque chose de l'abattre. Oh, y'a quelqu'un d'autre dans notre voiture, Elena, on est d'accord? Vendeur de casquettes. Elena? Pointez s'il vous plaît, pointez-moi les collègues au cas où. Elle est partie boire de l'eau, elle est partie le ramener dans le puits. Je vais avancer. Pointez-moi les gars, pointez-moi, je récupère. Hop là, nickel, c'est bon, j'ai récupéré le. Gère Glenn. Je comprenais pas, ok, d'accord. Ah, j'avais pas compris le délire, mais c'est du merde. Je t'ai tout déposé là, hein, au cas où. Policier, on se brief. Venez, s'il vous plaît, on se brief, venez. Capitaine. Oui. C'est dans radio. Vraiment. Alors, je me répète une dernière fois. La dame Glenn prend la tête de la poursuite de la Felon, suivie de la Tango 95. Et l'X-Ray Stud prend la tête de la poursuite de la Impaler avec la dame Chemus. Ok. La Tango Chemus, du coup. Merci. Ah, ok, bah, moi, il y a écrit. C'est une Tango Chemus. Les gars, ok, maintenant vous m'écoutez.
Moi, je veux pas leur laisser l'heure du pays. Qui veut un chat? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le même coup que du début. Qui veut un chat pas cher? Vous visez. Pour qu'ils aient une pression mentale. Je leur dis maintenant, vous me donnez 50% de l'or que vous avez. Ils vont peut-être me dire non et tout ça, mais si vous voyez que c'est impossible qu'ils me donnent l'or et que vraiment ils sont fermés et qu'ils vont buter l'otage. Donne le chat. Stubbs. Tu me dis, ouais, c'est bon, Chemus, calme-toi. Vous le voulez? Tu me demandes trop. Et je me calme, ok? Ok. Attends, jusqu'au 59, il est fini d'apparaître, ok? On sait jamais. Si je veux prendre en otage. Carré. Ouais, on prend en otage direct. Nickel. Allez. Je suis mort. Y a ouais, je suis sur la félane, on est d'accord, hein? Ouais, t'inquiète. Vous pensez que je vais la voir? Ok, s'il vous plaît. Là, on n'a pas été très cool, quoi. Ça n'a pas été cool. Pas là. On n'est pas marqué. L'otage, il est censé rester. Il y a l'otage qui est revenu dans votre coffre et vous dites rien. C'est nous, on l'a ramené dans le coffre. Ah, je peux pas savoir, malheureusement, vous ne faites pas confiance. Fais-le sortir du coffre. On va s'écarter de la voiture. Ils m'ont mis dans le coffre. Ah bon, vous l'avez mis dans le coffre? Ah, c'est comme ça. Stanislas, reviens. Reviens. Bah enfin, merci beaucoup la police, hein. C'est grave. Avec les EMS. Mais ils m'ont remis dans le coffre. C'est votre choix, hein. Les gars. C'est votre choix si vous voulez la jouer comme ça. Maintenant, vous bougez plus, d'accord? Et on va continuer les négociations corsées. Vous allez voulu me prendre pour un con. Les collègues vous visent. Quoi, on est sur rien? Vous me prendre pour un con, bah vous allez assumer. Ok? Maintenant, je vais récupérer 50%. Attends, on est bien sur la pelle. Elena, Chiro, s'il vous plaît, on se réveille, on se réveille. Je suis des calls, s'il vous plaît. Oui, je crois. T'es toujours en train de me faire peur. Moi, oui, je suis une grosse vache. Poursuivez avec le capitaine. Voilà, donc on est derrière la félone. Voilà. Ça là, je vais la canner si vous commencez à nous casser les couilles. Tu la cannes, malheureusement, va t'exploser. Je sais pas ce qu'on veut. L'ordre du pays est bien plus important qu'une vie de citoyen à mes yeux. Donc, je vais être clair avec vous. 50% de votre or. Non. Vous avez voulu me baiser en récupérant un otage, et bah voilà. Et bah on va bien baiser, les gars. Et avec du lubrifiant. Capitaine, tu valides ce qu'il est en train de faire? On va trouver. On va trouver un terrain d'entente. On va voir. Que là maintenant tout de suite, je lui mets un gros coup de chasse dans sa jambe. Et bah si vous le mettez, malheureusement, vous en perdrez potentiellement votre vie. On va trouver un terrain d'entente, monsieur. Lâchez l'otage, vous inquiétez pas pour les 50%. L'or du pays est extrêmement important. Alors je baisse à 20% d'or. Non. Ça appartient au pays, d'accord? Chemus, il casse les couilles. Ça c'était dans mon passé. C'est quoi ça? C'est bon. Ils ont un otage, on va y aller doucement. On va récupérer la petite dame. D'accord, on va récupérer les trois ensuite, d'accord? J'arrête de négocier, c'est bon. Oui, je vous laisse reprendre mon lieutenant. Mais y'a les girons dessus. Bon monsieur, je regarde un truc. Vous m'écoutez? Vous pouvez peut-être arrêter de la braquer. N'importe quoi. Si vous pouvez arrêter la braquer, on pourra continuer. Moi, je peux, voilà. Y'a pas de problème. Je pose mon arme. Enfin, j'ai mon arme dans les mains, mais je braque pas. Voilà. Il reste une petite dame, ce chat. Juste la petite dame. On va faire simplement. Hein, on va revenir au. Ouais. Faire un départ avec. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je vous laisse. On la prend pas avec nous. On part d'ici là. Un peu gavé de parler avec nous. Alors, j'ai un égo d'homme, du coup j'ai envie c'est de long, dire là, non, mais c'est ce que je voulais te proposer, du coup je vais dire oui, d'accord. Un peu long le chat là, non? D'accord. Ouais, je vais retourner au poste. Allez, mon petit. Désolé, monsieur le braqueur. Ferme ta gueule. Il faudrait que tu essaies d'habiller sur. D'habiter sur 6 blocs. Il a dit quoi? Je retiens ta tête. Oh, malade. De quoi? T'as dit, je retiens ta tête à. Ah, ok. Oh, le mec, un des braqueurs? Ouais. Oh. Ferme ta gueule! Parle bien! Ça sort malade. C'est celle de gauche. J'ai mangé de la herrera. Chiro, pour l'unité en panto, vous pouvez revenir sur le braquage de trait, vous occuper des otages, s'il vous plaît? On va partir les 4 véhicules en poursuite. Merci beaucoup. Bon, il sera de 8 ou 7? Mais bien, Churro, c'est ça, c'est Churro, toi! Oui. On a repassé Radio 7. J'ai prévenu, non, on a j'ai prévenu le véhicule avec la panto, ils vont s'occuper des otages, ils reviennent. C'est horrible. Glenn, on repasse Radio 7 du coup. C'est horrible. C'est horrible. Y'a que moi. Y'a que moi. Ah, allez. Non, t'inquiète. C'est horrible.
Mais c'est horrible. Mais c'est mort là. Ouais. Y'a que moi. Ouais, j'étais avec lui. Du coup, faudrait que tu passes au niveau de l'autre côté. On l'a perdu, mais il est sur la route, dans les forêts. Direction Stab City. Dans les forêts au-dessus. Tu peux pas faire une poursuite. Casser des rails là. Tu vois. Ah non, mais là, tu peux pas faire une poursuite, t'as vu ou pas ? Casser des rails. Casser des rails. Il va arriver côté Stab City, je pense. Au niveau de Kalania Road. Casser des rails, tu dis. Sortez casser des rails, arrivez. Ah, vous êtes sur la GWA. Vas-y, laisse tomber, on l'a perdu dans les petits chemins. On s'est pris un caillou. Ouais. C'est horrible. Bah, du coup, c'est Scott qui conduisait. Ah, mais dis-lui, c'est horrible, hein. C'est impossible de conduire. Ouais, bah nous aussi, hein, du coup. Vas-y. Impossible. Je pense qu'il est reparti Stab City, hein. Regarde, ça continue. Et pourquoi ça fait ça, pourquoi ça fait ça en course poursuite? Ça te quoi? Ça fait ça en course poursuite? La vitesse, peut-être? Je sais pas, mais là, je crois qu'on a tous un peu des soucis. Ah, ça a abusé, oui, c'est abusé, à ce moment-là, c'est horrible. J'étais tellement focus, frère. Oh, t'es mal, tu fasses attention au petit caillou. Non mais c'est pas ça, c'est question ça coupait toutes les deux secondes en fait. Je vois rien, je voyais rien. Tango Scott, on a perdu la felon. Les gars, y'a trop de lag, on peut pas garder l'après-dit les gars. On annule. Non. Wesh frérot, là je peux rien faire là, wesh. 10-4, vous êtes 35. Petite backup, on arrive. On peut pas, frère. Je pense qu'on va bientôt fumer, nous. Non, on fume pas. Elle est toute neuve, la voiture. Tu m'entends, Elena? Oui, vu que t'as tapé un caillou et tout, y a moyen qu'on fume bientôt. Elles sont fragiles, les voitures. T'es mal. C'est horrible. C'est impossible de conduire, les gars. Mais j'étais à fond dedans. Je décrochais pas un mot. J'étais en train de tryhard. Vous savez ou pas? Mais j'ai vu. Oui, bien sûr, j'ai vu, j'ai remarqué, bah ouais, mais je suis en train de bouffer mes céréales tranquillement. Mais en fait, si tu veux, je conduisais et toutes les deux secondes, c'est comme si la voiture allait s'arrêter. Je t'écoute, Andrew. C'est horrible. Ouais, là, on est sur la GOH, là. Dans le sud. Regarde, ouais. Ok, bah, va derrière. C'est va moi derrière, ou c'est le serve Choumash. Choumash. Où ça? Tu mets une pause. Direction Choumash. Continue tout droit là, tu continues sur la GOH tout droit, direction sud. C'est moi ou c'est tout le cerf? Regarde, tout droit, ça là. Continue. J'ai mis la poste. Ok, merci. Attends, mais ça fait pas ça d'habitude, c'est parce qu'on est encore sur sud que ça fait ça, genre. Ah, vous êtes loin. Ouais. Elle trace, hein. Bah, c'est une félone, hein. Oui. Ah, ils l'ont encore? Ils l'ont? Ouais, ils l'ont récupéré. Ok, bah, on essaye de les récupérer. Mais nous, on fume pas, pote. Nous, allez. Allez, mon grand. Non, allez, mon grand. Non, je vais parler chinois, laisse-moi, arrête. Non, mais frérot, la voiture s'est arrêtée toutes les deux secondes. On est à la station essence, sur l'hôpital. Je comprends. Donc c'est pas moi, c'est tout le monde. Non. Là, on arrive. Dinguerie. On est loin. On arrive au On arrive. Ils sont à l'hôpital, là, ils sont déjà dans le sud. Ouais, mais on va bombarder. En plus, notre voiture, elle est un peu claquée, je trouve. Bah, c'est une Torrance, ça, hein. Malheureusement, on peut pas prendre de Buffalo. On est morts, nous, au cas où. Oh vous non! Vous êtes morts! Ceux qui avaient la felon, ils sont morts! Ouais. Et le mec devant, essayez de prévenir le sud, vu qu'ils sont dans le sud. Le mec en felon, il a pas de problème. Apparemment, non. Comment te dire ça? On l'a perdu dans le sud, direction anciennement Asgard, là. Bah, essaye de passer Radio 1 et préviens-les sur leur radio que on a perdu la felon dans leur juridiction. Regarde! Ouais, par contre, felon, c'était par rapport à quoi? Braquage de train. Ah ok, ça marche. T'as vu? Rien. De rien. Et t'es mal? Extended budget peut-être, non? Tango Scott, composé de Scott, Extended budget? Sur la GOH, direction sud. Non, y'a rien à voir. Mais le mec, je te jure, mais c'est impossible de conduire. Là, dans des grandes routes, ça va, quand tu frises, tu t'en fous. Mais quand t'es au milieu de la montagne... C'est vrai, tu conduis pas, je trouve.
Non mais là le problème c'est vraiment c'est la voiture qui s'arrête. Je l'avais hein, vraiment je l'avais. Ouais ouais, t'inquiète. Mais la voiture qui s'arrête toutes les deux. En fait tu vois dans des grandes routes comme ça, elle s'arrête toutes les deux secondes, ça va, c'est pas gênant entre guillemets. Mais en quand fait, tu mais sais, quand tu commences à prendre aussi des chemins avec du sable, je peux pas suivre. Là regarde Scott, est-ce que t'es souvent allé là où on était? Jamais, non, je suis jamais allé. Bah voilà. Tu penses? Bah si. Pas grave, ouais, laisse custom. Bon bah on a essayé, chat, on est allé. Tu veux le GPS ou c'est bon? Je suis un peu dégueu. Elle est ce custom? Ouais. Non, normalement, normalement. Bah mais on sait jamais quand même. En fait, vu que tu connais, vu que t'as jamais été là-bas, que tu connais pas, ben du coup, ben, si, je connais, essaie de comprendre comment c'est, tu vois. Non, 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 là, là où t'es. Ah oui, non, t'as raison, le sable, t'as raison. Le sable ralentit la voiture. On n'a pas des non, voitures mais équipées pour le sable. Et le mec, il peut pas faire une course pour c'est en ville, comme tout le monde. Mmh. Ouais, ouais, lui aussi, il va dans du sable. Aïe, 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 aïe. Toi aussi, t'as mal à la tête, là? Oui. Ah ouais? Mmh. Oui, oui, oui. Non, bon, là, ici ça va, ici je suis bien. Ah ouais, mais Scott, nous on n'est pas, ouais, pas bien équipés, nous. Hein. Bah si, pourtant, moi si, mais. Je sais pas. Tu nous fais un détour. C'est pas grave, j'aime bien le sud. Je suis dégoûté. C'est-à-dire, il n'y a plus personne qui l'a, le mec là. Non, c'est non normalement ils ont prévenu le sud. Peut-être putain que le sud ils vont recoller. Ah, oh, je suis dégoûté. 4-4 on l'aurait eu peut-être. Oh, mais y c'est y pas y oui. Attends, je vais appeler quelqu'un. Sortez pas. Ah, besoin d'aide. Ah ouais, c'est pas pour moi. Oh, oh bah regarde qui je vois. Scott. Ouais. Ça va et toi? Diabour il est là ton gros client là. Bah écoute, tu peux te faire ça ce mon soir. Gros je peux avoir ma voiture, mon gros client. Je vais rien. Ton concurrent, ton concurrent. Ah, c'est qui là, mon c'est concurrent tenues, hein. Vas-y, je t'attends de quoi, tu Anderson. Veux quoi? Ah, Anderson. Salut Anderson, ça va? Enchanté, vous allez bien? Calme-toi, calme-toi. Oui, oui, vous allez bien. Bonsoir. On peut parler, Anderson, vite fait? On va parler avec grand plaisir. T'es toi, t'es trop occupé, toi. Je comprends pas quand tu te caches. Au revoir. Bon, allez, bisous, à tout à l'heure, Anderson. Je menace le gouverneur, là, c'est pas? C'est bon, si monsieur Gourdésir est parlé. Dites-moi tout, monsieur Scott. Ouais, vous allez bien. Enchanté, monsieur Anderson. Faites quoi dans la vie? Faites quoi dans la vie? Je suis le référent de votre SASP, entre autres, au gouvernement. Ah, vous allez bien? Bah très bien, et vous, monsieur Scott? Ouais, Zoé, elle va bien, Zoé? Le bleu des vagues. Zoé. Ouais, Zoé. Je peux pas y... Ma meuf. Vous parlez de la sœur de monsieur Tackinson? Ouais, ma meuf. Mais comment ça, c'est votre meuf? C'est pas ce qu'elle m'a dit, en fait, je comprends plus, là. Quoi? Ah, ok. En fait, je pense qu'il y a un... Je pense qu'on a... Attends, mais t'as 15 ans, t'as 15 ans. Et en vrai, j'ai passé toute la soirée avec elle hier. Quoi? On a dormi ensemble? Non, non, alors là c'est impossible. Alors là c'est impossible. Pas ensemble, pas dans la même pièce, pas dans le même lit. Ensemble, pardon? Attends, comment ça ensemble? Anderson. Comment ça ensemble, Anderson? Bah moi j'étais dans le canapé, elle était en face de moi dans le lit. Attends, mais elle est indisponible là depuis ce matin? Elle n'est pas là ce soir, elle m'a dit qu'elle était absente. Ah, elle devait devenir l'assistante dans mon bureau. Ah, elle est pas là ce soir, elle est pas là ce soir. Non, ce soir elle n'est pas là, mais elle devait être mon assistante. Donc la photo que son frère m'a envoyée, c'est un fake. C'est quoi la photo qui vous a envoyé? Ah là là, j'ai compris! C'est-à-dire que vous avez Ken. Ah, tu l'as Ken? Non, je ne l'ai pas touché. Mais tu veux que ce soit ta meuf ou pas? Bah, je me suis pas encore posé la parce question. Que moi, parce, cas, que moi, parce que moi, je suis en pour parler avec elle. Hein. Je suis sur un gros dossier avec elle. Hein. Un big dossier. Bien balèze. Scott, pas envoyé 50 dollars. Non, pas. Si je peux me permettre, de ce que j'ai compris, vous n'êtes pas son profil. Elle cherche quelqu'un de haut placé, quelqu'un, voilà... Moi, je suis haut placé, moi. Ouais, mais vous êtes un agent du SASP. Attention, et alors agent SP, voilà, c'est pas pour réduire votre travail. C'est un travail incroyable, vous sauvez des vies. Voilà. Il faut être viril, puissant, ouais, fort, savoir tirer. On est d'accord. C'est incroyable. On est d'accord. Mais elle, de sa vision à elle, c'est pas ce qu'elle recherche, de ce que j'ai compris. Ah, mais... Elle cherche un businessman, un bureaucrate, ouais, un politicien. D'ouf. Mais moi, c'est un plan cul, après, je m'en fous. Ah, bah ça oui, alors à ce moment-là, si vous réussissez, tant mieux pour vous. Oui, après, tu crois que je me marie avec elle ou quoi? Ah, bah, actuellement, c'est un peu la méta. Tout le monde se marie, tout le monde est enceinte. Bah non, mais peut-être jamais de la vie. Moi, juste, elle m'envoie des messages. Ouais, tu m'excites et tout, frère. Rien. Juste, petite question. Et attends, ça on me dérange parle pas de ma soeur, là, on est d'accord? Si, on parle de votre soeur. Je vous avoue que j'ai triché en même temps. Bah, ma soeur, là. Après, sa soeur, comme ça, c'est vrai, ça, c'est pas. Ouais, de Zoé, c'est ça, Zoé. Pour les intimes. Ma soeur, là.
Non, il a pas de plan cul. Il a une sœur. Non, le plan cul, c'est pas ta sœur. Toi, t'as la sœur. On s'occupe de vous. Ah, arrête, arrête, arrête. Oui, tout est bon pour nous. Merci, merci. C'est bon pour nous. Ouais, ouais, c'est bon, ouais. Tu m'as entendu? Moi, je trouve que c'est une femme charmante, respectable. Dis-lui que tu vas en parler. On s'arrête juste à l'étape pour le moment de la connaissance et le destin nous dira qu'est-ce qui se passe. On est d'accord. Messieurs, on s'occupe de vous ou pas du tout? Moi, je connais bien. Tout est bon pour nous, tout est bon pour nous. Ok. Merci. Lui, il saura même plus de moi, lui. Je vais bien la connaître. Je vais bien la connaître. Tu te souviens ou pas? Je vais bien la connaître. Tu m'as pas connu, c'est Atkinson qui a tué. Ça me gêne, vous allez bien. Ah là 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 là. D'accord. Tu veux savoir pourquoi? Tu veux savoir? Vas-y, regarde dans mon téléphone. Regarde dans mon téléphone. Pour le total avec votre réduction de bande pour l'achat de mon véhicule, vous êtes à 5580. Attends, attends. Ah, dis-moi. Attends. Hey Zouzou! Salut! Ça va ou quoi? Ça va être. Ouais! Hey! Attends. Ouais, Andrew. Ils sont BFF? Pourquoi t'appelles Zouzou? Mais ouais, non, y a... non, non, pas. Enlève le mot BFF. Attends, pas maintenant. Ah bah, attends, Zouzou, attends, c'est bizarre, je vais te dire. Attends, il est où le message comme de. Vous, monsieur Scott. Elle m'envoie un message de baiser, tu parles prêt, frère. Ah, je sais pas ce qu'on va faire arriver, s'il vous plaît, madame McTavish. Oui, pardon, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Anderson? Bah, vous avez marché sur la Ferrari, faites attention. Pardon, bah, franchement, moi je me suis pas vu dessus, mais je suis désolé. C'est pas grave, c'est pas fait exprès. Tiens, regarde, rien que celui-là, rien que celui-là. Vas-y, j'y suis, vas-y, tiens. Tu m'as penché la tête? Quelque chose ou Pupus, pas? Pupus, achète des vêtements. Attends, ah ouais, tu me feras voir, prends des trucs stylés, mignon fashion. Attends, je dois revoir. Après que j'envoie la photo, je dis beau gosse ou pas? Montre-moi que c'est bien son numéro. Que tu aurais pu appeler quelqu'un d'autre, Zoé, c'est une autre conversation. Non, je confirme, c'est bien elle. On l'a vu, on l'a vu. Ouais. Ah, mais laisse tomber, mais c'est pour ça que je comprends pas. C'est quoi ton nom, Anderson? Attends. Prends mon numéro, Anderson, 532. Scott, t'es en train de me dire que la fille dont tu m'as parlé hier. 532, ouais, de quoi? La fille dont tu m'as parlé hier, elle est avec Anderson? Non, c'est une histoire brosson. Elle travaille avec moi. Elle travaille. Bande de BG. Là, vous avez reçu monsieur Scott ou pas? Merci mon oncle. Monsieur Scott, vous avez reçu? Quelle belle intervention. Non, j'ai pas reçu. 532, tu m'as dit. Attends. Bonsoir, attends. Monsieur c'est Anderson. Pas 582. Ah non, 582. Eh, hey, Léna, elle s'en souvient. Hein. Oh là là. J'ai une très bonne mémoire. Ah ouais, hein, que pour être qui t'intéresse. 582. Ouais. Là, c'est bon? Ah, c'est bon. Écoutez, madame Tavish, s'il vous plaît, n'appelez pas vos collègues Zouzou. Vous êtes en prise de service, vous êtes au travail. Madame quoi? Madame McTavish, non? Oui, oh. McTavish, oui. Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai appelé qui? Vous avez appelé Monsieur Scott Zouzou, voyons. J'ai jamais appelé Zouzou. Bah oui, alors oui. Non, vas-y, Elena, faut pas avoir honte de ce qu'on est. Oui, alors vas-y. Mais j'ai jamais appelé comme ça. Mais vous êtes quoi, du coup? Mais vas-y, non mais vas-y, non mais... Et alors Anderson, vas-y. Monsieur Anderson, pardon. Bah oui, voyons. Mais ça pose aucun souci, je veux juste comprendre pourquoi elle vous appelle Zouzou. Parce que... Mais j'ai jamais appelé Zouzou. Si, Elena, arrête. Non, arrête. Ouais, après. Ah, je suis heureux que le CSP de telles relations puissent se créer. Bah, et alors, c'est bien, non? C'est bien, bah, c'est très bien, j'encourage. J'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Voilà, on est d'accord. Ouais, mais ouais. Moi, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Attends, elle a quelqu'un dans sa vie qui est pas venu depuis 3 mois et qui est toujours pas venu aujourd'hui, qui devait venir aujourd'hui. Bref, on y va. Non, il revient. Allez, on monte, allez. Tu peux enlever ton gilet, Scott? Ouais. Tu veux absolument que j'enlève mon gilet quand même. Non, c'est parce que sinon ils peuvent te taper sur les doigts pour le gilet. Sérieux? Oui. Oui. S'il y a pas de raison de mettre un JPP, faut l'enlever. Je suis dégoûté pour la course poursuite, vous savez ou pas? Ah oui, on sait. Non mais je me doute bien. La prochaine sera pour ça. Mais non, mais c'est pas, ça me fait chier. Moi en fait les gros soucis je tryhard. Moi en fait je pars du principe où dans la vie
Si je fais un truc, c'est pour tryhard, sinon je fais pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est donc c'est comme Du coup, tu vas tryharder Zoé, c'est ça? Mais non, Zoé, c'est Zoé, Zoé, c'est juste pour... mais non, Elena, jamais de la... Arrête, Elena! Est-ce que ça veut dire que du coup, tu clignais plus des yeux et t'avais la bouche grande ouverte? Non, non, mais je vous jure, Zoé, c'est juste pour faire chier à son frère. Regarde son frère. C'est qui son frère? Son frère, c'est un mec du gouvernement, lui aussi. Merde, t'es prête? Regarde comment il a la haine contre moi. Merde, je vais dire que des dingueries, il va être tout rouge. Vas-y. Ouais, pas de mettre le parleur, hein. Ouais, tu me parles plus ? Je suis déçu, C'est qui ça du gouvernement ? Mais pourquoi t'es déçu ? Je pensais que... On avait un petit jeu, tu faisais exprès de vouloir ma sœur pour m'avoir moi, mais... Bah non, pour m'avoir moi ? Je veux juste ta sœur. Ah, tu croyais que j'étais gay ? Ouais, mais non, je vais pas partir de la jaquette, moi, jamais de la vie ! Non, 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 moi, c'est toi ta sœur, là. Ouais, ma sœur, c'est une pute, je le sais, ouais. Non, oui, je mais c'est une grosse pute, je le sais. Non, mais ah ouais, c'est quelque chose. Tu sais, Magica, elle m'a dit, ouais, t'as une matraque et tout, nanani. Je lui ai dit, ouais, et tout. Ramène tes menottes. C'est vous, elle. Quelle chose de nom de famille tout de suite. Ah, Zoé, tu c'est quelque chose. Non, écoute, mais tranquille. Poste, non, mais écoute, personne va le savoir, y'a rien. Ça reste entre nous, ok? Mais je m'en fous. Non, mais tranquille. Après, Zoé, c'est quelque chose. Ah mais tu croyais en fait que je faisais semblant de gérer Zoé pour t'avoir toi? Ouais, mais non, mais je connais pas, okay. Par contre, je connais un mec au PDP, il est gay. Oh. Mais il le cache. Oui, c'est il s'appelle Chouro. Il le cache. Chouro. Ah. Ouais, oh, ouais. Mais Bradley aussi, il aime les hommes. Et Bradley aussi, il aime les hommes. Oh, j'aime beaucoup Bradley, ça a l'air. Bradley, il est mignon, hein, t'as vu ça. Il est pour toi. T'aimes branler dans le... Ah, j'aime bien ça. Voilà. Du coup, voilà. Non, non, toi, c'est ta... Que je veux. Ah, mais c'est une petite cochonne, moi c'est plus ma soeur. Waouh, 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 comme parle pas comme ça de ta soeur, c'est ton sang quand même. Non, je crois que tu comprends pas. Pourquoi? Je comprends pas. Non. Parce que je te rappellerai demain avec mes idées. Vas-y, c'est plus clair. Vas-y, vas-y. Je crois qu'il va partir en dépression là. Ah oui, j'aime trop faire chier. Tu veux pas partir de la jaquette? Oh, quel dommage. Qui ça, Chouro? Non, moi, toi. Mais jamais de la vie, moi. Oh, jamais. Moi, en bas de mon dos, il y a Gandalf avec écrit « Vous ne passerez pas ». Eh les gars, Seamus, il a un rendez-vous amoureux, il est parti manger quelque part. À votre avis, okay. Il est parti manger où? Au diner, je pense. Ah, c'est son petit coin, le diner? Tout à l'heure, il m'a emmené au diner pour me parler. Ah oui, t'as dit quoi? Ben, il m'a dit, en gros, ça se voyait que je gardais tout pour moi, mais que j'en avais gros sur la patate et qu'il fallait que ça sorte. Je lui ai dit, mais le problème, c'est que dès que j'ouvre la bouche, les gens, ils vont chialer au superviseur. Donc, c'est compliqué. Il me dit pas, le premier qui chouine parce que tu dis quelque chose, ben, je vais lui demander de me sucer. Je dis, ok. Sérieux? Ouais. Moi, avec moi, il insiste beaucoup avec sa bite et ma bite. Hein. Il veut que j'aille chez lui regarder du MMA et après faire du grappling au sol tout nu. Sérieux? Mais toi, ça t'intéresse pas, toi? Mais bien sûr que non. Ah, attends, je refais des semblants, t'entends plus rien. Ah, t'aimes bien l'idée, Elena? J'adore. T'aimes bien l'idée de grappling et tout? Ouais, ouais, Chouro, j'adore vas-y, ça, descends, ouais. Mon ref. Non. Il est pas là. Putain, mais il est pas là, fais chier. Attends, je vais l'appeler. Y'a quoi? Y'a le custom café qui est ouvert. Appelle-le en visio. Vas-y, je vais l'appeler. Je peux pas tourner la caméra quand je conduis? Ou c'est que quand il a accepté l'appel? Ah, il me raccroche au nez! Non! Ah, c'est bon, il est en rendez-vous, c'est fini. Non mais genre, Seamus, il est une meuf. Seamus, il est avec 13, appelle 13. C'est qui 13? Elon. C'est Elian. La cheveu blanc? Mais non, c'est non, un mec. Non, c'est un garçon. C'est l'officier 3, instructeur de la PA, là. Il a dit que lui et Elon, il était off-radio. Oui. Et les deux, ils sont off-radio en même temps? Ouais. Si. Imagine, il nous cache des trucs et tout. Salut Elia, ça va ou quoi? Hein?
peut-être. Il y a un monde. Mais sûrement, je sais pas. Tranquille. Il y a quelqu'un. Salut. Bonsoir. Les collègues. Ouais. Ça va? Eh, vous avez pas vu Seamus aux dernières nouvelles? Non, négatif. Mais il est où cet enfoiré? Il était en... Attends. Je crois qu'il a... il était off radio avec 13. Eh ben c'est ce que j'ai dit. Ah. J'ai pas le numéro de 13. Hein. Mais c'est lequel? Moi, 13? Celui-là qui gueule tout le temps. Le chauve? Non, il est pas chauve, il a plein de cheveux. Il ressemble à 42? Non. Monsieur, vous allez bien? Ouais, qu'est-ce qui t'arrive, Roy? Et c'est Roy, hein. Qu'est-ce que t'as, Roy? Et oui, et ben le petit Roy, voilà, le petit routier du Nord, il a pris une balle dans le buffet. Voilà, voilà. Mais bon, on est touché, moi. Ah, mais t'étais debout, avec nous tout à l'heure, Roy. Je suis touché, mais je reste debout. Malikov, ça va comme voilà, Roy? Merci, merci, merci. Je reste debout. Mais pourquoi t'es aigri, genre? Minouscar, Minouscar. Je sais pas, au quartier Cibloc, là, dans notre super Punto Rose. D'ailleurs, si vous avez pas fait de patrouille avec, n'hésitez surtout pas. Ah, c'était vous? Et on s'est fait, bah, on s'est fait carrément drive-by, drive-by, quoi. Mais par contre, t'es pas obligé, t'es pas obligé de garder la tenue de, d'hôpital. Ouais, parce que là, il y a un petit coup, on voit ton cul, hein. Hop, 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 mais tu vois, c'est ça ton problème. C'est que t'es pas obligé de regarder, mais t'es obligé de me le notifier, hein. Donc, tu rates pas mon cul. Ouais, je sais pas, c'est devant mes yeux, je regarde. Tu rates pas mon cul, ok. Allez, bon, faites attention à ton Roy. Bonne patrouille. Vas-y, bisous, Roy. Mais ça, c'est vous l'hôpital. Voulez que j'appelle 13? Attends. Ouais, appelle 13 pour voir. Je sais même pas où l'hôpital. Il est où l'hôpital, tu vois? Il m'a raccroché 13. C'est 0828 son numéro. Bonjour. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, et vous? On peut vous aider? Ça envoie pas de message, ouais. Bah, j'attends le tatoueur. Voilà, comment tu vas? Ah, ok. T'as bien dormi? Non. T'as bien dormi? Si, ça va. Ah, tu la connais toujours? Si, 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 bien sûr. Ah, il y a un... Tu caches des choses. Il y a des antécédents entre vous? Non, il y a rien du tout. Non, il y a rien du tout. Ok. Merci, c'est mon ancienne patronne. Ah, chelou l'ambiance. Dis-nous la vérité, Churro. Dis-nous la vérité. Arrête, Churro. Arrête, Churro. Ça se voit, elle aime bien mettre les menottes, hein. Putain, d'habitude, c'est passé les menottes, hein. Mon cochon. Vraiment pas. Ah, ça va, elle aime bien mettre les menottes. Cravache, là. Vas-y, Gino. Mais il s'est rien passé. Il y a... Non, rien. Sérieux? Si, si, si. Oh, putain. T'as vu la voiture? Il en fera moins. Dans le côté! Ah, God bless. Dans le côté! Et God bless. C'est bon, ça. On descend, on le conducteur contact, aussi! Conducteur aussi! Mais ça y est. Ouais, ouais, c'est bon, je suis là. Attends, Bosscat, on procède actuellement à 10:38 au niveau de I, je suis à Rotterdam. Mais pourquoi je vous arrête, monsieur? Dites-moi, je vous écoute, j'en ai aucune idée. Ah, bah nickel. Ah, vous savez pas pourquoi? Non, je sais pas, non. Vous avez pas? Peut-être un petit excès de vitesse, probablement. Un petit peu, ouais. Vous avez papier du véhicule, monsieur? Est-ce que j'ai des papiers? Ah, vous autorisez à regarder ou pas? Dans la boîte à gants. Par pitié, dis-moi que t'as un kit de réparation, s'il te plaît. J'ai regardé, j'arrive. Putain. Je t'ai pas reconnu. Ah, je t'ai même pas reconnu, ça va ou quoi? Je la connais pas. Ouais, ça te dit quoi? Ça va. Tranquillement? Ouais. Attends, c'est ça dit quoi dans le sens ou ça dit quoi? C'est encore un jeu de mots pourri avec mon prénom? Ah, je connais même pas ton prénom. Non, j'ai pas les papiers sur moi, non. Ah, okay. Ah, t'as pas les papiers sur toi? Ils sont les papiers? Non. Bah, c'est le véhicule appartient à un de mes frères. Ah. De mon club. Ah là 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 là. Un de tes frères. Ouais. Et comment le frère, vous faites? Il peut ramener les papiers ou pas, le frère? Oula. Bah, je crois qu'il est décédé, le frère en question. En train de faire la procédure pour qu'il soit notre nom. Du coup, il n'y a aucun papier sur le véhicule. Je pense que 13, je pense que pour une. Enfin, Scott, on peut fermer les yeux s'il nous dit EA Sports in the game. Ah ouais? Si, je pense. Pourquoi? Il y a quoi? Vas-y, dis pour. Vous pouvez dire EA Sports in the game. EA Sports of the game. Non, il dit pas of the game, it's in the game. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Bon. Attends.
C'est quoi la phrase déjà? E-sport. It's in the game. E-sport is a game. Oh. Ah ouais, c'est chaud. Je suis déçu. Ah ouais, c'est nouveau, c'est une dinguerie. Bah, faites-le pour voir. E-sport. It's the game. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça du coup. C'est it's the game. E-sport are starting again. Schwarzenegger. Je pense que c'est ça. Non, c'est. Non, c'est. E-sport. It's in the game. Ça, c'est bien ça. Hein? It's in the game. Wow. On est cordon. Fais-le, Elena. Vas-y, Elena. De quoi? Vas-y, fais-le, Elena. C'est quoi? E-sport. It's in the game. E-sport. It's in the game. Ouais. Vas-y, Sadji. Vas-y, Sadji. E-sport. It's a game. Elle est plus défendue. Oh là là, elle est foncée. Oh là là. Mais non, mais j'aime pas qu'on me demande de faire des trucs comme ça, là. Ah, t'aimes pas, hein. J'aime pas non plus, hein. Je t'ai demandé de te mettre à quatre pattes et d'aboyer, tu vois. Y'a rien à voir, non, y'a rien à voir. Oh, mais je veux trop voir ce que faire ça. Vas-y, Sadji, arrête d'être aigri. Moi, je suis pas aigri. Vas-y, fais-le, top. C'est vraiment sa façon d'être. Sérieux, t'es comme ça tout le temps? Ouais, je confirme, mais tout le temps comme ça, vraiment. Ah bah vas-y, bah force à toi mon ref, bonne soirée. Hein. Ouais bah vas-y. C'est bon, je crois qu'il a déjà sa pilule. Prochaine fois, je veux les papiers quand même. Vas-y, je vais y aller. Vas-y. N'hésitez pas à aller refaire une carte grise. Elle a dû me naguer, Elena, on est d'accord. Total. Grave, putain. Mais c'est qui? C'est des bons, c'est des bons. T'es un club de ça dit, ouais, en vrai, elle est grave sympa, c'est juste qu'il faut apprendre à la cerner et la connaître. Il y a 13 qui m'appelle. Oh, je sais pas que ça va foutre, je fais plein de trucs dans ma vie. Allô, oui, 13 là. T'es toujours avec Chimis? Ouais. Ok, bah parce que Scott il voulait des nouvelles de son sergent préféré, c'est pour ça que... Quoi? Hein? Hey, Chimis! Chimis! Non, toujours pas, je crois. Hey, y'a Elena, elle veut faire un plan à 3. Non, je crois pas, non. Vas-y, on arrive au poste. Au poste. Oui. Ouais. Ah du coup on va au poste hein. On va au poste hein. Non non mais je laisse ma place volontiers. Ah ouais. Churro, t'as une meuf ou pas Churro? Churro. Non. Churro, c'est Churro ou Churro? Churro. Churro, moi je suis en pleine hésitation de meuf en vrai. Ah bon, avec qui? Ah je sais pas, je suis en hésitation. Zoé. Non, Zoé c'est une pute. Non, moi je cherche la femme de ma vie, tu vois, une flic de préférence, tu vois ce que je veux dire. T'es plutôt blonde ou plutôt brune? Ouais, je suis plutôt brune, avec les cheveux sur le côté un peu, avec un tatouage sur la main droite si elle a ça. Oh là, c'est la meilleure femme du monde. Une préférence de, je sais pas, lettres dans les prénoms, un truc comme ça. Un prénom qui commence par un E, un E, Elena, et par exemple. Tu vois, un truc comme ça, okay. Tu vois. C'est un beau prénom, je trouve, tu vois. Si, c'est vrai que si. Et je sais pas, mais faut que je trouve la bonne, quoi, wow, tu vois. Quel beau sel est allé. Waouh, magnifique. Oh, c'est ta grand-mère. C'est Chimis. Ah. Chimis, va te faire enculer. Quoi, t'as dit quoi? Va te faire enculer. Répète. Je t'appelle deux fois, tu me raccroches à la gueule, on dit viens, c'est pour Ken et Lena, tu viens. Sale chienne, va. Par contre, déjà, de un, tu parles pas comme ça au sergent. Toi, toi. De quoi? Quoi? Tu vas parler comme un sergent? Vas-y. J'aime bien ton jean. Vas-y, je te marbre. Ah ouais? Je te jure. C'est vrai que t'as dit quoi, toi? T'as dit quoi, toi? Ça fait vraiment beau, fait tout, c'est trop bien. T'as dit quoi sur moi, toi? Attends, on a pas fini. Vas-y, répète. Désolé. J'ai dit que t'étais en mode. T'avais une fin bon cul, regarde. Je suis génial, hop là! Ouais, je suis sexy, classe, élégant. Ouais, c'est vrai que je suis bien dans ce jean, t'as raison. T'es beau gosse en jean, vas-y, refais! Là, j'ai une friperie! Vas-y, refais les différentes poses pour voir. Là! Mannequinat! Non, c'est pas tout, mais là, c'est la merde sexy. Par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. C'est pour toi? Le mannequinat, c'est vraiment pour toi. Ouais, l'homme. Ouais. Vous vous rappelez là ce qu'on a vu là, Siro? Oui. Siro, t'as encore les papiers? J'en ai un moi. Oui, je l'ai sur moi. Relis-moi le truc du cadeau. Oui, j'ai volé ça dessus. Putain, mais le cadeau, il va pas tarder là. Les gars, pensez à boire de l'eau, mesdames et messieurs. Pensez à boire de l'eau. 19-03-2024 à minuit 45. Mais il a été posé il y a un installé.
Veillez à bien préparer le cadeau et surtout à garder cette information confidentielle pour ne pas gâcher la surprise. Je vous donne la position de l'installation. Donc, il y a la pause. L'épicier souhaite qu'un garde soit posté aux alentours de ce cadeau en attendant la fin des 24 heures du décompte. Avant la grosse surprise. E-Sports are starting again. Elle a déjà été installée. La position GPS, je l'ai enregistrée. Et le temps que mon GPS il me dit où est-ce que c'est, il y en a pour quelques heures encore. Okay. On fait ça demain. Je pense que ça, c'est chaud demain. Ouais. Ça casse les couilles. Non, arrête de dire ouais, ça me pète les couilles. Pourquoi ça me pète les couilles? Mais attends, toi, t'avais pas un rendez-vous important avec une meuf à 1h30 normalement? Bah ouais, mais elle me répond plus. Bon, McTavish, tu viens avec moi, je dois te parler urgentement dans les vestiaires, je te dépêche. J'ai bien pris. Elena, c'est vrai que tu veux baiser? Bah non. Tu te dépêches! Oui. Arrête de parler comme ça, Elena, t'es malade toi ou quoi? On parle pas comme ça à une femme. Elle m'a dit, t'es où toi chez Emus? J'en ai pas plus à 3. Le mec, il en profite. Allez, on va parler. Arrête de parler comme ça à une femme. Oh. Elena, vas-y, venez, on y va. Ah, elle patrouillait où? Mais vas-y, j'ai raté une course poursuite, j'ai trop la rage, frère. Mais même moi, là, tout à l'heure, là. Vas-y, la voiture, elle s'arrêtait toutes les 2 secondes. Ouais, elle a été intensif au début. On sort Cobra. C'était incroyable quand le véhicule s'est retourné. J'ai trop kiffé avec la musique. Tout à l'heure, ouais. C'est que j'adore Scott quand t'es à fond dans le truc. mais je te jure, c'était trop marrant parce que c'était pas prévu, hein. Mais j'ai vu que t'as capté direct. Ouais. c'est trop bien mettre l'essence gratuite. Putain de merde, c'est pour ça que je t'aime bien, bordel. Tu faisais quoi avec 13 mon ta gueule, Siro, je parlais pas à toi, non, toi je t'aime pas. Tu faisais quoi, 13? Avec 13? Ouais, on était parti voir Riz, là. Ah, il m'a pas rappelé, cet enculé. Mais, sachez moi, Sergent, vous êtes une des meilleures rencontres que j'ai fait dans ce poste. Bah, c'est bon que c'est bien, ça va, elle est bonne. Elle est bonne à sucer. Oh putain, y'a pas de la meuf, là, j'ai envie de baiser, bordel. Mais, Siro, il veut gérer une meuf enceinte, ce fou. Et alors, t'as jamais eu ce fantasme-là? Non. Qui ça? Bah lui, putain, derrière. Putain, mais j'en ai marre, je reçois tout le temps des mails de la Thaïlande, ça me fait chier. Fais gaffe, Thaïlande, c'est des mecs. Hein. Arrête-toi. Putain, surtout si la femme, elle vous dit « massas ». Mais non, mais c'est que je suis dans la merde. Putain, tu connais bien. Putain. La Thaïlande, bordel. Pourquoi j'ai... fais ça! Putain! Mais t'as fait quoi? Je suis interdit de territoire en Thaïlande là, je dois payer des amendes. Vous avez fait quoi? Et t'as fait quoi? Ouais, je vais être un cap, c'est normal, vous inquiétez pas. C'est des souvenirs du Vietnam. Tu veux quoi? Non, il est une heure! Vous en pensez quoi? C'est tous les gars! Allez, on va patrouiller! Tranquille. Allez mon copain, faites attention. Ah du coup c'était quoi encore, encore 15 minutes et on déco. C'était quoi votre question les gars? Le véhicule ne roule plus. C'était quoi votre question? Vous êtes trop fort sergent, regardez le véhicule. Oui mais vous aviez une question les gars, c'était quoi votre question? C'était quoi votre question? C'est quelle femme que vous voulez baiser enceinte? Putain je me rappelle plus de son nom. Jesse. Il aime bien les Jesse. La dernière Jessie qu'il a connue, je peux faire une confidence, mon sergent. Ouais. Moi aussi, j'ai envie de la pécho, mais pour une seule et unique raison. Bah alors, tu vas arrêter? Non, mais je vais arrêter, mais je peux vous donner ma raison. Ouais. C'est la sœur de 13. Ouais. Jessie, aussi, c'est la sœur de 13? Si. Ouais. Comment toi? Va au gouffre. Elle en manque d'affection, elle ou quoi? Qui mange? Va au gouffre. Je crois pas l'information. Putain, mais ils font que de m'envoyer des c'est dans le Nord, on est d'accord. Vous savez parler thaïlandais, les gars, à un moment donné? Si, c'est dans le Nord. Je sens le truc raciste venir, vas-y. Non, une fois, c'est pas un truc raciste que j'ai fait, vraiment. Mais non, ça te fait rire en plus, connard, que je sois dans la merde. Je parlais de Siro. Je suis dans la merde avec l'Asie, connard. Je suis interdit de territoire dans toute l'Asie. Mais vous avez fait quoi pour être interdit? En Amérique, tu t'en fous. Bah ouais, mais quand même, j'aimais bien le voyage. Si, mais sergent, vous avez fait quoi pour être interdit? Ouais, ça c'est... j'ai un peu déconné, c'est vrai. À 30, on est un? Vas-y. En fait, tu vois, moi je suis chasseur. Waouh, regarde. Je suis parti dans une réserve naturelle en Thaïlande. Regarde, vous l'avez dit, vous avez niqué tous les éléphants.
Ouais, j'ai abattu 30 éléphants. Ils arrêtent pas de m'envoyer des messages. Oui, vous devez payer. Ah, c'est bon, ça pète les couilles, quoi. Mais pourquoi t'as abattu 30 éléphants? Bah, pour le plaisir de la chasse, quoi, le plaisir de tuer. Ouais, je suis d'accord. J'ai pris une photo avec, j'étais super content, quoi. Et du coup, ils t'ont interdit de territoire que pour ça? Ouais. En Amérique, quand t'aurais donné la Légion d'honneur, tu vois, c'est n'importe quoi. Non, mais ça devient n'importe quoi. Non, mais je suis interdit de territoire au Canada, alors. Après, Canada, y'a rien là-bas. Hein. Canada parle la pudding. Vous aimez le chiffre 30, sergent? Ouais, il est là, le gouvernement derrière. Tu vois, moi, c'est comme Palworld. Je dois battre un nombre précis de pales. 10. Un jour, c'est des quêtes. Ouais, c'est 10 dans Palworld. 10 par race. Non, le gouvernement, regarde ton GPS, c'est derrière toi, là. Le petit drapeau américain qui est sur ton tableau de bord. Ah, ok. Ok, tu te balades un peu partout. Je vais venir me balader hors live, ok, les gars? Je vais me balader sur GTA RP hors live. Bon, bah, y'a personne, on bouge dans le sud. Hein. Mais j'ai le numéro d'Anderson si tu veux. Mais non, mais je m'en branle. Pourquoi je veux appeler Anderson? Bah, c'est un mec du goût. Je peux te poser une question, Scott? Vas-y, du moins. Est-ce que t'es homosexuel? Scott? Non, franchement, non. Pourquoi tu veux rigoler, Scott, quand je te dis ça? Non, c'est parce que je connais un mec, il voulait me gérer. Il pensait que j'étais homosexuel. Ah, d'accord, ok. On en parlait tout à l'heure, mon sergent, et on sait qu'il y a, du coup un homosexuel au poste du Nord. Non, au goût. Ok, d'accord. Mais comment il s'appelle? À chaque fois, j'oublie son nom. Ah, il y a Elena qui m'appelle. Bah, t'es prêt ou pas? T'es prêt ou pas? Vas-y. Salut Elena la plus belle, ça va quoi? Vous m'avez abandonné. Jamais on abandonne une belle femme comme ça. T'es où? J'arrive. T'es où? On arrive. Vous avez changé. Elle est pour moi, Elena, les gars. Elle est déjà en couple. Mais vas-y, c'est un couple de mythos. Eh, comme ils disent, les beaufs, c'est pas parce qu'il n'y a pas un gardien qu'il n'y a pas but. Hein. C'est ça ou pas l'expression? Si. Ah, mais c'est ça ou pas? Oui, Ross. Ah, bon. Reviens, je vais dans mon tête. On est en 2017, ça, en fait, on est déjà trois. On est quatre, même, avec Elena. Même, on va être quatre avec Elena. Voilà. Ciao. C'était qui? Ross. C'est qui, Ross? Ross, c'est un rookie aussi. I got a feeling that the night gonna be a good night. T'as galéré, là, pour me secourir, non, quand même. J'ai grave galère. Elena! La livraison est arrivée! Bonne soirée, les collègues. Mais du coup, vous êtes trois. Mais c'est pas grave, monde! Bah non, je vais me faire taper sur les doigts, sinon... Mais non, mais y'a le sergent avec nous. Le sergent Chemus. On raconte. Est-ce qu'on veut que je prenne deux rookies? Ah là, ils veulent que tu prennes deux rookies, là? Non, mais Elena, sérieux, il est 1h du matin. Qui t'a dit ça en radio? Qui t'a dit que tu prennes deux rookies? Non, c'est Sarah, elle m'a dit prendre deux rookies. Il est 1h du matin. Bah vas-y comme tu veux. Oh merde! Merde, je voulais éteindre les klaxons. Je voulais éteindre les klaxons. C'est lequel notre véhicule? C'est lequel? Buffalo? Parce que là, il y a tout le monde qui veut patrouiller avec moi. Il y a deux rookies qui veulent patrouiller avec moi. Il y a 13. Ah, t'as trop la cote. Oui, bah c'est fou, j'aimerais ne pas l'avoir. Ah là, ça c'est une vraie voiture. Et celle-là, elle est mieux que l'autre voiture, genre, non? C'est quoi? C'est la fugitive, ça? Non, c'est la Buffalo. Ouais. Ah ouais, ne regardez pas ça aujourd'hui. Après, t'es avec... Oui, mais t'es avec le sergent, tu peux prendre une fugitive, c'est encore mieux. Allez, c'est parti. Ouais, c'est pas grave. Bah allez, vas-y, Elena, bon courage alors avec les mecs. Vas-y, non, vous inquiétez pas, je vais me débrouiller. Vas-y. Yaro 110-12. Ah ouais, on ne regardez pas ça aujourd'hui. Ah, qu'est-ce qu'on va rigoler, chat, vous êtes pas prêts. Ouais, elle est partie où la gonze? Elle a, bah, non, elle a, mais vous l'avez, la peau, vous l'avez traumatisée, vraiment. Pourquoi la quoi?
Bah à chaque fois elle prend une décision, elle est là, non sinon je vais me faire taper sur les doigts, laisse tomber. Eh mais moi je vous dis qu'on va par la voiture, ça. Moi je vais mener une guerre contre les pleureuses. Hein. Tu sais qu'il y en a un qui est parti pleurer tout à l'heure, un rookie. Elle, c'est une pleureuse. Parce que... hein. Non, mais je t'explique. Il y a ah, un rookie lui, il qui est pleureuse dans le sens, il va voir les chefs et il balance tout. En fait, il y a un rookie qui est parti pleurer parce qu'elle a demandé qu'on mette les gilets. Ouais, il y a un rookie. C'est n'importe quoi. Quoi, pour des gilets sans pleurer? Si, parce que Elena nous a demandé de mettre les gilets. Ouais. Mais il y a un rookie qui est parti. Elena nous a demandé de mettre les gilets. Ouais, là, ils ont abusé là sur ça. Même moi, j'aurais pété un câble. Pas pour des gilets, ils ont crié sur les gens. Si. Eh, y'a un mécano d'ouvert là. Attends, ouais, dans le sud. Hein. Ouais, là-bas, au mécano du sud, tiens. Bah, pas dans le nord, connard. Mais le sud, on peut y aller. Ah, toi, tu passes par là-bas, j'ai capté. Bah, c'est plus rapide. Ah, c'est vrai que c'est plus rapide. Je connais pas en plus. J'ai cru, t'avais dit Papson. Mais non, Patson. Espèce de raciste, va. Ah, pas vrai, Khalidovic, c'est un raciste. Quoi? MDR. Qu'est-ce qu'il y a? Tant que gaucher mu son siron. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui est en train de voler la grande roue de la fête foraine. Va la fête foraine. Oui, ben on fume. Ah, là, on fume. Ça va être genre. Il va la réparer. Regardez bien, il va la réparer. Vous êtes prêts? On doit d'abord réparer le véhicule et après on y va. Et il l'a réparé. Ah, elle accélère, ah, trop bien. Fête foraine du coup. Oh, mais je suis radio 8 encore. Oh le con, c'est pour ça que j'entends rien. Il y en a un qui vole la roue de la fête foraine apparemment. Qui vole la roue de la fête foraine? Comment ça qu'il vole la roue de la fête foraine? Bah c'est le sud hein, on voit tout. En fait, j'arrive pas à me rendre compte, 180, c'est beaucoup pour une voiture ici ou pas? Bof hein. Ah, 188 au max, c'est 192, mais là c'est okay, en descend devant 200. Et là, bizarrement, t'as vu, Chiro, là, bizarrement, elle roule bien la voiture hein, quand il n'y a pas de poursuite. Hein. Ah, ça, je sais que j'ai encore les nerfs contre la course-poursuite tout à l'heure. Ah, regarde, là, ça refait. T'as dit quoi? Il y a une question. Vous comprenez, tu? Ah, mais on comprend, hein, coach, pas. À la bombe. Je crois qu'il y a des vrais problèmes quand on roule vite, en fait, non? Là, tu m'entends ou pas? Là, ouais, je t'entends. Dans le ciel que j'ai bien à répondre dans ouais, ma vie. Mais ça déconne. Ça déconne de ouf. Oh, ça avance pas, la voiture. Eh, c'est une dinguerie, chat, comment elle avance pas, la voiture, hein? Yo, Losbon, ça va ou quoi? Eh, c'est une dinguerie comment elle avance pas. Et limite, je préfère celle qu'on avait tout à l'heure, hein, non? T'as dit quoi? T'as un Google Scoot. Pourquoi? L'accident. Et quoi, la voiture par terre? Ouais. La bécane. Ah, genre, tu l'avais vu, toi? Ouais. On va le mettre aussi au barrio, hein. Mais t'es malade. Ah ouais, putain, ils ont brûlé la roue. Ah mais non, elle est là, la roue. C'est Tango Chemus. 10-4. Retourne à l'entrée, c'est là où il faut qu'on aille. Ok, et... Ah, t'as mal la voiture. La voiture bizarre. Ouais, mais va à l'entrée. On s'en bat les couilles, là. Ouais, c'est normal, va à l'entrée. Oh putain! Mais elle est vraiment là, la grande roue! Ah, mais j'avais pas capté! Coucou les poyos! Salut, c'est Brad! C'est pas bien d'empêcher les enfants de s'amuser, messieurs. Mais non, on va pas les... Mais non, mais monsieur, c'est pas du tout ça qui va se passer!
C'est quoi? Pourquoi une roue? Vous allez faire quoi avec une roue? Je vous explique. En gros, les gitans, vous voyez les cousins de Tyson, le pollo Zoussoud? Oui. Et bah, ces connards, ils ont augmenté les prix. C'est 1000 dollars le tour. Et c'est un tour, pas plus. Mais nous, vous savez que c'est illégal. Non, c'est pas illégal. Ils le volent aux gitans. Ils ont qu'à déporter plainte, ces connards, s'ils sont pas contents. Mais non. Ça reste illégal, ça reste un vol. Pris un flagrant délit. C'est pas un vol, ils l'empruntent. Durée indéterminée. Ah, bah c'est bon alors. Bah c'est bon alors. Comment? Les gitans, ils vous ont dit oui. Oui, bien sûr. Ah, bah c'est bon alors. Bah oui, bah c'est bon alors. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah oui, c'est bon. Vous aidez à la transporter. Ouais, vas-y, on vous aide. Bah ouais, carrément, ouais. Y'a Tyson, il arrive. Bah ouais, ouais. Bah attention, hein. Faut pas qu'on passe dans les tunnels. Ah oui, putain, faut qu'on fasse tout le tour. Ah non, on peut passer à droite, je crois. Y'a pas de tunnel ici. Faut qu'on passe Vainoud. Ah ouais, Vainoud, putain. Putain, les grandes roues, ça me rappelle quand j'avais 17 ans avec mon mec. Ouais. Avec ma meuf, ouais, on avait fait un truc grave chic avec ma meuf, c'est trop. T'avais fait quoi? On était monté en haut et c'était la première fois que je lui avais fait un bisou sur la bouche. Attendez, y'a pas le gouverneur, vite fait les poyos. Ouais, bien sûr, allez-y. Lui de répondre que c'est urgent. Elle est où la grande roue? Bonjour la journaliste. Comment ça, elle est où la grande roue? Tu la vois pas accrochée sur la voiture? Oh, je suis pris en otage. Ah, au secours. Hein? Oh putain, y'a un otage. Comment ça, y'a un otage? Oh non, c'est un braquage. Alors, monsieur le gouverneur. SASP. Je viens prendre la grande roue. SASP, y'a un braquage. Tu es en otage, madame la journaliste? Bah, au secours, comme la roue. J'ai pas le choix d'être là. Ah, voilà, bah, je le fais. Ok, ok, du coup, ok, la alors, donne a changé. Là, on rentre en scène. La donne a changé. Là, beau gosse, là, beau gosse, là, faut qu'on soit beau gosse. Là, faut qu'on soit. Hop, 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 non, la donne a changé. La donne a changé, il y a un otage maintenant, c'est fini. Comment ça, il y a un otage? C'est fini. C'est fini, c'est fini. On descend. Giulio, on descend, Jesse, Giulio. Seigneur, stop the break now. Giulio, seigneur, attendez, baissez vos armes. Ah, c'est ta femme? Oui, c'est ma femme. Ah, ok, mais c'est bon. Prouvez-le, faites-vous un bisou. Faites-vous un bisou, prouvez-le. On n'aime pas se faire des bisous. Ah, je t'aime. Mais t'as vu, Olena, regarde dans la situation dans laquelle que tu nous mets là. Ok, attends. Dis-lui, je t'aime. Oui, je t'aime, Olena. Elle est où sa tache de naissance? Elle est où sa tache de naissance? Elle a une tache de naissance en dessous de l'œil gauche. Ok, d'accord. C'est quoi son repas préféré? Son repas préféré, c'est les spaghettis carbonara sans œuf. C'est pas vrai. Comment? C'est PIPU. C'est PIPU, comment ça? Est-ce que c'est vieille pu? C'est vieille pu? Non, ça va, ils sentent là. Ils, okay. Ouais, ils sentent un peu quand même, ça va. Ah, Tyson. Ils sont ensemble, hein. Ils sont ensemble. Oui, Tyson, je suis au niveau allô de. Oui, Tyson. Oui, je suis au niveau de. On circule! Oui, oui, elle est sur ma voiture. Il est là, je rentre à mon barrio, je vais la poser dans mon barrio, connard. Oui, allez. J'arrive, t'inquiète même. Si, vas-y, arrive. On va vous escorter jusqu'au barrio, petit couple. Merci, les hermano. Allez, on escorte, bah ouais. Vas-y, bah ouais. Vraiment les meilleurs pollos, ça. Ça, c'est les pollos du Nord, c'est sûr. C'est aussi. Ouais, les du Nord, mais pourquoi? Bah ça se voit, vous êtes des bons, vous êtes pas des. Comment ça, je comprends pas la voiture. C'est pas un vol, nous, on est 100% d'accord. Bah non, c'est pas un vol. Ah oui. C'est un emprunt. Nous, on est là d'abord pour la sécurité de tout le monde. Dites-vous, les hermano. Passe pas une bière à l'arrière, s'il te plaît. On va faire baisser le prix, hein. Parce que les autres là qui faisaient payer 1000 dollars, nous ce sera 100 dollars. Attention, il tourne à droite. C'est sur le feu. Ah merde, putain, il a dit à droite, je suis con. Ah, je suis con. Vous êtes qui vous, les poyons? Je vous ai jamais vu, vous. Oh, on est du Nord. On est du Nord. Bah, mais moi aussi, il vient du Nord des fois, il vous voit pas. Ah, c'est chez bizarre, hein, quand même, hein. Chemus et Scott Cross. Scott Cross. Scott Cross, Cross. C'est cool à Tyson de lui dire où on est. En fait, on est l'unité d'élite, c'est pour ça que vous ne venez jamais. Attends, mais toi aussi tu vas tout casser. Hé, il est hermano. Ouais. Il est gentil, 42. Ouais, ouais, 42, c'est sévère. Non, il c'est un bon, c'est un bon 42. Il est sévère, il est sévère. On m'a dit c'était mon fils de poutre. Non, mais je l'ai jamais vu, moi. Mais son problème, mais c'est qu'il est rookie. Mais c'est moi, je l'ai formé. Il était rookie quand je l'ai formé. Non, c'est moi, je l'ai formé. Mais c'est moi, je l'ai formé. Il était rookie. Mais il est commandant maintenant. C'est qui l'a formé? Quoi? Bah, oui, que, ouais, 42 commandants, oui, d'accord. Bah, oui, si, c'est le commandant du Nord. N'importe quoi, ça y a rien qui va. Termano. Moi, je préfère le commandant du Sud. Moi, je préfère le commandant du Sud. Bah là, il est sur le boulevard Del Piero. Del Piero, il a dit. Un genre de foot, le bordel. Alessandro Del Piero. Mais il est vraiment avec une roue.
Ah, il a tourné. Ah, mais attends, mais... C'est pour nous, Larou, c'est pour nous. Oui, on va les baiser, les gens. Oh, ça va nous faire tourner la colline. Faudra accélérer le mouvement, monsieur, s'il vous plaît. Ah oui, mais c'est super lourd, t'as vu. Eh, c'est un 4x4, c'est pas un cargo bob, hein. La voiture est franchement en arrière. Ouais, écoute. Ça veut dire des crasses, il vient des crasses. Elle a fait un backflip. Ouais, quoi. Attends, c'est quoi la radio des mecs du sud? Vinewood, Tango Sheamus, accompagné de Siro. C'est quoi la radio des mecs du sud, Siro? Une, radio une. Il a pris en vidéo le gars, les gars. Salut! Il m'a dit combien? Je vous jure qu'il va voler le dinosaure rose du nord et il va le mettre sur mon barrio aussi. Ah non, pas cher, tu vois, non, je suis pas dans le nord. Non, par contre, tu prends le dinosaure, je te marbre la gueule, d'accord? Je te jure, eh ben. Ah non, regarde. Alors là, le dinosaure, ça va pas le faire. Non. Scott Cross, il va voler le dinosaure rose et il va mettre sur mon barrio. Allez, on verra. Vas-y, et les couilles. Vas-y, bah vous allez voir, il fait ça fin de semaine. Vas-y, on verra. Il fait ça, jeudi. On va venir avec des colons d'assaut, hein. C'est bon pour toi, Brad. Ouais, c'est bon pour moi. Tyson, va te faire enculer, Tyson. Ouais, Tyson, c'est vraiment gentil de l'avoir prêté, Tyson. Oui, lâche la route dans la petite cousine, je vais te manger des manges. Merci beaucoup. 34. Bloquez-le, position tortue, position tortue. Tyson. Oui, dis-moi, Sheamus. C'est un vol ou tu l'as autorisé? Non, c'est un vol. C'est oh putain, il nous a mitonné. Il nous a mitonné. Mais non. SS, aïe. Putain, j'aurais pas dû boire avant de prendre le service. SSP, monsieur, arrêtez-vous, monsieur. Non, mais là, c'est pas qu'il doit t'arrêter, là. Merde, putain, je suis bourré, les gars. J'ai 3 litres dans le sang, là. Fallait pas que je prenne le volant, bordel. Prends-le à droite, marbre-le à droite. Je vais à droite. En plus, je suis pas sûr, mais je crois qu'il a un otage. Oh merde, Yaris. On est là, si t'es en otage, dis oui. Oh non, Yaris. Dis oui si vous êtes otage, madame. Mais non, elle est pas otarie, c'est Machika. San Andreas, t'es. Merde, il t'a peinté. C'est à droite. J'y vais tous les matins pour m'amuser. Mais y'a rien qui va, ouais. Sorte de la colline, bande de pute. Ta gueule, ferme ta gueule, fils de pute. Ouais. Elle s'est sortie tout seule. Monsieur. Mais tu fais quoi? On s'arrête. Oh, y'a le quad. Oh non, je vais pleurer. Oh, le quad bleu. Tu pétais, il volait la grande roue. Bah, il est volé. On s'arrête, monsieur. SASP. Je le poursuis, les gars, je le poursuis. On l'a. Ramène ma route à demain. On l'a. Allez go les gars, on lâche pas les gars. S'il vous plaît, arrêtez-vous. On s'arrête. Le monument de la TPO. Doucement. Check indemnisation du périmètre. Le nord, on fait une hydratation et directement, d'accord. Position 67. On est foutu là. Mais non, mais on n'est pas foutu, n'importe quoi, on est dans notre barrio. Oh non. Escuchame, Juanito. Derrière toi, 22, appelle tes chicas derrière. Il parle bien espagnol. Tout le monde se calme, on baisse les armes. Bonsoir. Escucha. On l'a volé à la fête foraise. C'est génial pour les petits du barrio. Y'a rien qui vend, d'accord. Un peu de bonheur pour les petits. De toute façon, moi, je vais discuter qu'avec une seule personne. Je veux discuter avec Tyson. Oui, bah déjà, tu vas rendre la roue à la petite cousine dans un premier temps. D'abord, non, tu m'as dit on va s'arranger. Comment tu veux qu'on s'arrange? Ah, mais c'est un casse-plé. Tu récupères de l'argent de la part de tes amis. Tu peux baiser les bras, payer ça 1000 dollars par tour. Oui, j'ai une part. Oui, tu récupères combien? C'est quoi la part que tu récupères? Moi, je récupère 20%. Ça veut dire 200 dollars. Ouais, c'est ça. Y'a rien qui va là. Et bah, regarde. Moi, je vais te redonner 50% de l'argent. Est-ce qu'on peut faire vite? La voiture, elle est en train de mourir là. Oui, tu peux commencer à l'installer dans le barrio. J'ai faim, mais faut pas que je mange. Je mets le tour à. À 800 dollars. Hier, j'ai trop mangé hier. C'est moins cher. Faut pas que je fasse la même. La moitié et je récupère 50%. Tu récupères 50%, Tyson. Capitaine. Non, te laisse pas avoir. Viens, ne te laisse pas avoir. Faut que je me fasse un café. C'est quand même un monument pour Del Perro. Exactement. Tyson, pense à tous les petits enfants. Pense à tous les enfants de la colline, ils vont être trop contents. Là, c'est une liberté, j'ai déjà volé.
Et les petits enfants, et les petits enfants de la fête foraine, vous en pensez? Bah ouais, bah, c'est un lieu où. Mais ils peuvent venir toutes, aussi, écoutez, ou... écoutez, c'était un lieu où toutes les populations, toutes les ethnies, peu importe, qu'ils soient riches ou pauvres, allez, se réunissaient. Non, c'est pas vrai, parce que les gitans, ils faisaient 1000 dollars le tour. De quoi? Moi, justement, les gitans, c'était 1000 dollars le tour. Moi, je baisse à 800. Justement, ça va être vraiment pour tout le monde maintenant. Mais t'as dit 500 avant? Non, les gitans, c'était 1000 dollars le tour. Mais toi, t'as dit que tu les mettais à 500 pour nous, 100 pour la Colina. Non, c'était pour la blague. Non, mais c'est pas possible. On peut pas laisser passer ça. C'est pas possible. On peut pas, malheureusement. Non, c'est pas possible. On peut pas. Mais pourquoi on peut pas? Pourquoi? Attends, faut que je discute avec le capitaine. Capitaine. Ouais, mon ventre il a. Ouais, ouais, par rapport. Tyson, y'ajoute un truc. Y'ajoute un truc. On se déco ou quoi, chat? C'est bon, il est 30 ans. La grande roue. Ouais, il me faut mon petit café là. Non, c'est un menteur, ils vont la revendiquer. Ce serait bien que les enfants aient fait la seconde roue, qu'ils aillent à l'école et qu'ils arrêtent de braquer des gens, quoi. Ce serait déjà mieux. Mais non, mais faut que j'aille à l'école. Jure, y'a des. Termine la scène. Ah, c'est bon, c'est une roue. Ces petites scènes d'arcade de fin de soirée, ça. Après, ça me fait chier de devoir rentrer. Salut. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais ranger la matraque. Hein. Pas de ouf. Hop. Vous allez bien? Bah bien et vous? Non, ça va pas, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu chiales, toi? Ah, je vais dire pourquoi je chiale. Ah, vas-y, parce que tu te poses sur mes couilles. Ouais. Est-ce que tu fais tous les efforts que je veux? Regarde ce qui me ramène, mon rifi. Une grande roue. Bah, alors? Je suis en train de craquer. Mais c'est pour vous qui fait ça, c'est pour le barrio, non? Mais je suis un forain, moi, je suis un forain. Hein? T'as pas de couilles, bâtard, t'as pas de couilles. Hein. Est-ce que je suis un putain de forain? Je suis pas un forain. Mais t'es quoi, toi? T'es un mec. Oh non, elle m'a dégoûté. Elle c'est titane, elle c'est titane. Tiens, 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 tiens. Vas-y. Oh, elle m'a dégoûté, frère. Menace-toi. Menace-toi. Menace mon collègue, là. Tu menaces, toi? Menace-toi. Tu menaces, toi? Menace mon collègue, là. Hein? Tu me menaces, hein? Vous en êtes un choupété, hein? Tu me menaces? Ah, tu pas mets, hein? Un choupé de merde, hein? Dégage! Wouh! Gazeuse, matraque! Matraque! On l'a smack! On l'a smack! Allez, je le ramène, Léon le ramène! Léon le ramène! Toi, tu viens avec moi, toi! Léon le ramène, Dans le véhicule! J'ai rien fait, moi! T'es venu avec moi, toi! Vous êtes tous gazés la gueule, bande de bâtards! T'as tiens avec moi, t'as viens. C'est bon, elle est fixée. Hé, arrête, lâche-moi. Putain. Je te jure que t'es dans le mode. C'est bon, elle est fixée. Tu dis pardon à la police. Stop, tu es salope, excuse-toi. Mais tu chutes. Trois. Excuse-toi. Je m'excuse. Ah là, bouffon. Ah bon, ça rentre dans ton... Mais je m'excuse pas auprès de toi, héros des poudres. Ta gueule, tu... Rentre dans ton barrio avec tes empanadas dans le cul de ta mère. Rentre dans ta taverne. Non, je reste ici. Bon, écoutez, Juan, là, oui. Ils sont chauffés. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, vous allez garder la roue pour ce soir, d'accord? Et demain, on va faire des négociations avec un avocat et tout pour que savoir qui pourra obtenir la garde de la roue. Entre toi et Tyson. Oui, ça va. La garde de la roue, wesh. Vous venez avec des propositions, les tarifs, comment vous allez l'animer, comment tout ça, et on verra à la fin qui pourra garder la roue. Ok, d'accord. Ça veut dire qu'il pourrait la garder pour moi et même pas donner une part à Tyson? On verra, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Si t'autorise, oui. Ah, mais jamais il va garder la roue, celui-là. Hey, Tyson, pour le moment c'est la grande roue, mais quand on va prendre le. Le dinosaure rose. Hey, tu peux toucher à tout ce que tu veux, pas de dino rouge. Jamais! Le dino rose, tu touches pas, moi, c'est le dino rose. Pas de semaine, on va le dinosaure rose. Oh, le dino, vous le touchez pas. Touche à voir ta tête. Mais moi, je sais pourquoi vous faites ça. Je sais, j'ai vu dans votre jeu. S'il vous plaît, sortez les glaces. Vous voulez une attraction pour que les familles elles viennent et du coup vous leur vendez de la drogue après derrière. Ah, là. Mais tu me prends pour ça, attends déjà, premièrement, moi c'est ce que tu fais. Ton agent 23 qui a tiré sur un hermano sur une émeute, c'est normal, c'est encore. Hein? Ok, viens, écoute, là c'est moi qui t'accuse, c'est pas toi. Moi, je vais te dire quelque chose. J'écoute pas. Les gitans, ils vendent ça 1000 dollars le tour, les gens vont pouvoir faire des trucs, enfin. J'écoute pas. Non, ça sera gratuit, ça ne rentre pas dans mes oreilles. Pour les enfants.
Je ne me laisserai pas avoir. Vous avez un descriptif des individus ou pas? Je vais te la faire lécher. Vas-y, on bouge. Une femme avec un débardeur blanc et trois hommes avec des hauts bleus foncés, dont un avec une massue, c'est lui qui a agressé. Entendu. Oh, tu me déposes au Comico en haut pour la sécuriser. Oh, tu conduis? Vas-y, vas-y. Je joue à Ghost of Tsushima. C'est vrai, ah, tu as joué à Ghost of Tsushima, il est incroyable ce jeu. Il y avait également un homme qui était menotté qu'on a. Ghost of Tsushima, il est bien du début à la fin. En quoi comme difficulté? Normal. Il y avait un homme qui était menotté qu'on a à l'hôpital, il avait un. T'es une petite salope, hein. Ouais, j'aime pas galérer. Fais attention, mec. T'aimes pas galérer? Ouais, j'aime pas. Moi, tous les jeux, je joue en difficulté ultra max. T'es un malade. Mais non, mais suis le point, hein. Mais arrête. Laisse-moi couper. Non, bon, non, j'ai le volant, on va te faire enculer. Oh. Ah, je suis bien, là. Après, ça va regarder Patson, après ça va continuer The Witcher, hein, les gars. J'ai pas ma dose de The Witcher aujourd'hui. J'ai pas joué tout à l'heure. Laisse tomber, frère. Mais c'est pas Papson, c'est Patson, frère. Faut jouer à Valorant, mais vas-y, j'ai la flemme. Ah, je suis lessivé, frère. Une heure et demie, c'est une bonne heure, en vrai. Hein, t'en penses quoi? Ouais, c'est cool, c'est cool. Alors, le Nord, t'en penses quoi? T'as bon code ou pas, là? Ouais, ça va, vraiment, ça va. Ça va, c'est cool. Non, c'est cool. On se prend pas la tête, quoi, c'est cool. Ouais, c'est plus cool que le sud. Ouais, après si j'ai pas vu le sud maintenant comment il est, mais... Si tu peux me permettre, tout le monde... Ça a l'air plus sévère quand même, le sud. Chiro, on t'entend pas trop. On est d'accord, Chiro, quand il parle, on l'entend jamais, frère. Ouais. Il a du vent. Ah, il a du vent. Ouais, il a du vent. Ah, sinon, viens, on fait semblant, on l'écoute, on dit ouais, de ouf. Il croit, on l'entend. Mais. Mais passe par le pont pour aller au truc! À droite, là-bas, à gauche. Non, mais. On t'a déjà chié dans le cerveau ou pas? Là? Merci. Ouais, voilà, et là, tu vas à droite, tu vas tout droit, vas-y, tout droit. Là, tu fais que du tout droit. Tout droit. Ah ouais, bah ouais. Allez, on tout droit. Bah oui, mais tu fais pas d'effort. Tu mon sergent là ou pas? Ouais, je t'entends. Ah là, c'est bon. Oh, il pleut. Je disais que vous apportez beaucoup. Au sans vous, on se ferait un pichet quand même. Ah ouais, c'est vrai? Bon, bah on l'entend plus. J'ai dit clairement. Right. Voilà, là tu vas tout droit. Oh, les frises, c'est horrible. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais putain, allez, c'est bon, moi je vais dormir là. Mais c'est pas possible. Allez, j'en vais. Je me dis 10. Oh, pas, c'est... Attends, mais c'est derrière! Et c'est... Un sens de l'orientation, vraiment! Yo, Clash Hall, ça va encore, mon gars? On va se faire un petit café ou quoi, chat? Allez, bonne nuit, Chiro, mon pote. Il a... Ils en ont marre de moi. Attends, comment on fait? C'est quoi ma touche? 10-10 pour Strauss, bonne soirée. Bonne soirée, Scott, mon copain. Soirée.